Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, bienvenue dans la Matival, j'espère que vous allez bien. Salut Albébé, salut Chirouette, salut Diz, salut Barry Lafraise, salut Vincent L'Aigre, salut Ben Lyon, salut Demerfran, salut Paddy, salut Petit Acacia, salut Chayanzu, salut Petit Pois, salut Pourquoi Tant de Violence, salut Bretchen, salut Arrobaz, salut Squalkiko, salut The Gamer MTG, salut Senjir Baron, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour cette petite Matival. Pépouze, tranquille, on va juste chiller, discuter, pas se prendre la tête. Probablement pas de tryhard ce matin. Voilà, on attend Magic 2021. Je pense qu'on attend tous Magic 2021. Là, ce week-end, va y avoir le Player Tour. Ça va un petit peu finir de stabiliser le méta qui était déjà pas mal stable. Puis il y a eu les bans. Donc, du coup, on est revenu à une méta pré-Tero. Ça s'est vite restabilisé. Mais voilà, je pense que le Player Tour, ça va être un petit peu le coup de massue pour bien ancrer tous les decks dans le méta et vraiment solve ce méta définitivement. Donc, il n'y a pas un énorme intérêt à rechercher d'autres nouveaux decks. Je pense que maintenant, il faut attendre Magic 2021 pour voir un petit peu de changement. Donc, ce matin, deux solutions où il y a des gens qui sont intéressés pour du deck viewer. Et dans ce cas, je fais un peu de deck viewer. Ou alors on fait un peu de ladder histoire de monter le rang de manière pépouze. Et je vois que vous êtes plutôt intéressé parce que Senjir Baron vient de payer ses 20 000 points de chaîne pour me montrer un truc. Donc bah ok, let's go. Alors par contre, pour les deck viewers, on va tous se faire gagner du temps. Vous rejoignez le Discord qui est juste en dessous de l'écran que vous êtes en train de regarder. Vous descendez, il y a des petits panels qui sont magnifiques, qui ont été faits par Morph, un illustrateur graphique, enfin, je sais pas comment ça s'appelle quand tu fais des illustrations via un support numérique, mais en tout cas il fait un travail formidable, il nous a fait ça à l'époque, et donc voilà, vous pouvez regarder ces petits panels là, rejoindre notre Discord et vous m'envoyez la decklist en français au format Export Arena, et comme ça au moins on gagne un max de temps pour importer les DL et tout se passe super bien. Un infographiste, merci Shionzu, merci beaucoup. Donc voilà Senjir, je suis chaud pour que tu montes ton truc, merci d'avoir payé les 20 000 points de chaîne. Et ben écoute, tu rejoins le Discord et puis tu m'envoies l'ADL au format français. Bien sûr, si ton pseudo n'est pas le même, tu me précises que tu es Senjir Baron en MP quoi. Comme ça au moins on galère pas, ça va être fluide. Tac tac tac. Mais on refera des deck viewers, petit pois, t'inquiète pas, ça sera pas le seul. On retrouvera toujours le temps à un moment donné de faire du deck viewing. Je me mets en second. Ça marche, le petit Acacia. Je te garde en tête. Attends avant de payer tes points. Hein. Tu payeras que quand tu es sélectionné. 20 000. Je prends ton deck, je le joue, une game. Et après, je propose des améliorations. Si jamais il est bien, j'ai pas besoin de l'améliorer. Si tu veux juste des conseils vocaux sans que je teste le deck, c'est 10 000 points, il me semble. Hein. Attends, je vais bien vérifier ce que PL a mis en place. À l'instant, je rebranche aussi le PC. Alors, si je dis pas de bêtises, pour 10 000 points, c'est avis amélioration. Et pour 20 000 points, il me semble que c'est proposer une liste, on teste et on propose des améliorations. Voilà, exactement. Si tu veux juste des conseils sur une liste visuellement, bah, c'est 10 000 points. Si tu veux que je joue la liste, c'est 20 000 points de chaîne. Ok, Didas, bah écoute, avec plaisir, je te laisse nous soumettre ça en MP du coup. Ouais, alors pour ceux qui auraient vu qu'on avait un reveal le 17 juin, si vous regardez bien dans l'annonce, on n'a pas un reveal M21. J'ai pas envie de trop en dire parce que je voudrais pas briser ce qu'on appelle les NDA, enfin, ou en tout cas les. Je voudrais pas spoiler en avance, je sais pas trop si on a le droit de parler de ça, mais on a un spoiler qui est différent de Magic 2021, donc vous verrez bien le 17 juin. Ouais, voilà, bon, effectivement, c'est plus lié à Jumpstart. Mais c'est marqué en plus dans l'annonce normalement. Alors, est-ce que j'ai reçu? Non, j'ai rien reçu, Senjir. Ouais, c'est vrai qu'il y a une peluche Vegeta qui est assez mal faite d'ailleurs. Elle est bien grossière, mais elle me fait beaucoup rire. Cette peluche Vegeta, elle a genre sa tenue de combat, elle est ridicule quoi. Ils sont même pas fait chier à dessiner l'armure en fait, le plastron. Mais
Puis il a une tête. En fait, il a la tête de Majin Vegeta, mais il n'a pas le M. Donc elle est un peu mi-figue, mi-raisin, cette peluche, mais elle me fait marrer. Ouais, j'ai vu le deck Azorius Control de Nassif avec. Avec, je me suis un peu renseigné du coup hier avec le Yorion Endeck et ça a l'air assez sexy, ouais. Et c'est bon, j'ai la liste de Baron Sengir. Ok, let's go. Bah écoute, j'importe ça avec plaisir. Ok. Copito. Fais-lui un M au marqueur. Ouais, c'est vrai, je devrais peut-être faire ça. Salut. Ouais, c'est vrai, effectivement, Ludmilla. Alors, je sais pas si tu es sur le stream en parallèle, mais ouais, les gens sont plus en mode. Ils me proposent un duel instant. Et donc, ça me faisait marrer, mais non, je rigole. Tout le monde est très poli et très sympa. Erreur d'importation. Oh, ça a pas commencé à me les briser, ça. Ça va le faire. Vous aussi, vous avez des erreurs d'importation en ce moment? Ouais, mais ça va pas marcher. Ouais, ça va pas marcher. Est-ce que quelqu'un sait m'expliquer comment je dois importer un deck? Il est peut-être deck tout en haut. Je le mets en anglais sinon. Non, mais moi je suis en FR, hein. C'est un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, The Douft. Je suis en français, donc ça devrait pas bugger, quoi. Il manque quoi? Il manque peut-être deck? Non, il manque pas deck. Putain, je le savais. Je savais qu'en proposant du deck Vua, il allait forcément avoir une couille, malheureusement. Et je sais que, ouais, en ce moment, j'arrive pas à importer les decks sur Arena, ça rend fou, quoi. Copie-colle la liste. Bah, merci, Squalkiko. Oui, j'ai copié-collé la liste, ouais. Salut, Arias. Salut Sam et Noir. Ouais, bah écoute, vas-y, envoie-moi là en anglais, hein. J'ai pas de. Je sais pas quoi te dire. C'est pas à cause des compagnons. Bah, fais voir le fichier. C'est un format Export Arena classique, quoi. Peut-être que si je fais juste comme ça. Non, ça me fait le deck sans rien. Peut-être juste sans le compagnon. Non. C'est pas un souci d'illustration alternative, je sais pas du tout. Copie-colle dans Word? Ah ouais, je vais aller chercher un fichier de texte. C'est quand même vraiment ridicule, on est d'accord, que ça bug comme ça. Parce que déjà, bah, ça perd en fluidité pour le stream. Moi, si à chaque fois qu'on m'envoie une DL, je galère comme ça, bah c'est chiant en fait. Merci Baron pour me l'avoir envoyé en anglais, je vais essayer du coup. Je copie-colle dans un bloc-notes. Ok. Et là, ça marche, effectivement. En fait, il faut le copier sur un fichier texte. Merci beaucoup, Zenger, j'ai vu. Et je comprends pas pourquoi il faut le copier sur un fichier texte. Ça n'a aucun sens. Bref, alors, est-ce que j'ai toutes les cartes? Normalement, je dois tout avoir. Donc ouais, c'est un plan de jeu Lucas Yorion comme à l'époque, mais sans les Fire, et tu vas Lucas dans Hidaru, dans Chariots des Rêves, ou alors dans Kenris. Lanterne, augure. Ok. Ok, soit. Soit, soit, soit. Je te raconterai l'histoire de ce deck si tu veux. Bah écoute, Sengir, je suis tout ouïe. Alors, on va vite fait analyser quand même le paquet 2 secondes. L'idée, c'est quand même de continuer à jouer sur la value du Orion en 80 cartes, avec bah, juste le pouvoir de pouvoir blinker des auras, des augures du soleil, des augures de la mer, des augures des forges. Faire la value du Orion, continuer à avoir le plan de jeu Lucas pour pouvoir faire tour 5, bah, j'imagine un Dream Trawler ou un Godzilla. Ça m'embête un peu quand même de devoir faire tour 5 Godzilla, c'est une carte qui va juste prendre Anti-Bet, donc c'est pas.
pas forcément incroyable, je trouve, mais peut-être que c'est un peu mieux que ce à quoi je m'attends. Il y a un autre problème aussi, c'est que tu peux tomber sur Kenris, et que du coup, si tu fais tour 5, Lucas, moins 2 dans un token et que tu récupères Kenris, bah, tu aurais mieux fait de faire juste tour 5 Kenris à la main, en fait. T'as pas forcément, tu t'es pas forcément accéléré. Derrière, tu respectes un petit peu les plans de jeu réclamation avec veto de Dovin Mendek, des Narset et des disputes. Donc pour le reste, c'est plutôt classique. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est les cibles, c'est les targets que tu as choisi sur Lucas. Moi, j'aurais plutôt mis genre un truc comme 4 Dream Trawler. Parce qu'à la limite, t'accélérer dans un Dream Trawler, bah, à la limite, tu gagnes vraiment un mana. Et puis, la multiplicité de Dream Trawler, c'est-à-dire que si on ne gère pas ton Lucas derrière, bah, tu peux faire venir un deuxième Dream Trawler après. Donc, ça me parle un peu plus. Je ne sais pas si Kenritz et Hidaho sont très bien sentis. Néanmoins, je vais tester la decklist parce que je pourrais être surpris. C'est juste du factuel, du théorique, ce que je raconte. 34 landes, ça me paraît un de pas assez. Enfin, pour moi, c'est 35-36. Plutôt 36 landes même. Il y a un autre truc qui me pose problème dans le deck, c'est que 4 augures de la mer, c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'était pas. Les 4 augures de la mer, c'était pas un choix des gens. Ah, moi j'en préfère 4, moi j'en préfère 3, moi j'en préfère 2. C'était un liant, c'était un build nécessaire pour trouver tes cartes de manière fonctionnelle dans les 80 cartes. Et c'est ce qui te permet surtout, surtout, surtout de gagner le late game et la value quand tu n'as plus rien à faire et que tu fais Yorion pour blinker tes augures de la mer. Et là en fait, on est dans un méta où les decks aggro n'existent pas. Donc cet augure des forges, il n'a pas sa place normalement. Ici, tu devrais avoir 4 augures de la mer. Et zéro augure des forges et avoir ses augures des forges plutôt dans le side. Donc les premières modifications que je ferai, alors là c'est ton deck donc je vais pas faire de modification avant de jouer la première game, mais moi les premières que je ferai, ça serait d'avoir zéro augure des forges, 4 augures verts, 1 à 2 landes de plus et probablement pas de Kenris. Sinon par contre tout le reste je valide et je suis persuadé que c'est encore pas trop mauvais de jouer le plan Yorion Lucas pour faire revenir Charieuse. C'est peut-être ok quoi. Ah, il y a un autre truc qui me gêne aussi dans ta DL, c'est que tu peux pas avoir une mana base fonctionnelle si jamais t'as pas x4 de tous tes bilands. Là, ça sous-entend que tu as 3 montagnes Mendek et tu devrais pas en avoir 3. Je pense que tu pourrais avoir 2 îles, une montagne et rajouter tes bilands en x4. Peut-être que c'est des problématiques de wildcard, et ça je peux le comprendre du coup. Mais si c'est pas des problématiques de wildcard, il n'y a rien qui justifie de pas les avoir en x4. Et pour le side, la lanterne, c'est validé. Il y a beaucoup de June Sacrifice dans le format. Cercueil, c'est bien, ça fait le carré après side. Tu vois, cet augure de la mer en side, il a rien à faire parce que ça améliore aucun match-up. C'est pas une carte de hate, ça ne crée pas un nouveau plan de jeu. C'est juste que t'as pas su caser le troisième main deck. Donc ça, c'est plutôt un problème de build. Les augures, je valide en side. Le veto, je pense qu'il en faut 4 dans les 75. Cet augure du soleil, pareil, il faut caser le quatrième dans le main deck ou alors accepter d'en jouer que 3. La quatrième dispute, c'est validé. La quatrième Narset aussi. Et les Kenris, pourquoi pas. Ok, donc ça, c'est bien les wildcards qui te manquaient, je conçois. Écoute, on va tester ça, Sengir, et on verra si les propos théoriques que j'ai opposés maintenant se révèlent être vrais in-game et je te proposerai des améliorations après la première game. On va partir en genre standard traditionnel, mais sans classement, je pense. Hop là. Jeu en standard traditionnel. Ouais, let's go. Salut Maasta. Est-ce qu'il y a des decks pour monter mythique en Dimir ou en Grixis? C'est pas trop les couleurs en ce moment, Maasta, non. Non, le but de Samenowar quand même, c'est que je teste le deck du viewer comme il me l'a proposé, parce que c'est comme ça que lui va le jouer. C'est-à-dire qu'il n'a pas les wildcards pour jouer la fontaine et le. Pardon, la Steam Vent et la Sacrée Fonderie. Donc je pense qu'il sait très bien que ça, dès qu'il les a, il va les rajouter et qu'il va améliorer son deck. Là, le but, c'est de tester son deck en l'état et voir s'il est quand même pertinent et s'il lui permet quand même de gagner des games de ladder. Donc. Je proposerai la version améliorée et je lui exporterai la version améliorée après la game. Mais là, la première game, le but, c'est que je joue son deck en l'état, en fait. Ouais, mais on est d'accord, Krakalber. Mais là, tu te doutes bien qu'il n'y a plus Agent de traîtrise et que du coup, il n'y a plus de créatures ETB intéressantes à chercher avec Lucas.
Donc le parti pris de se dire bon, il n'y a plus de créatures ETB à chercher avec Lucas, mais je peux quand même essayer de tricher sur la mana en ayant cherché, en allant chercher une créature puissante, ça me choque pas non plus, hein. Je pense que c'est pas aussi fort qu'avant, mais ça reste un plan de jeu décent. En fait, il joue pas bleu, donc ça me donne pas forcément envie de jouer Teferi en premier, puisque je vais pas invalider des contres. Par contre, peut-être que je peux invalider des sorts de pioche. J'ai pas moyen de générer des tokens, donc je vais d'abord prendre le veto de Devine. Ok. On va juste booncer cette Séraphine. Il joue Abzan Angel. J'ai pas vu de petite créature, donc je veux pas plus d'exemplaires de cercueil de verre. Par contre, je vais quand même garder les domaines deck dans le cas où il aurait quand même du bad curve. Je vais garder aussi les deux vétos. En fait, j'ai rien vu de son deck. Il a fait tour 4 un ange, donc je sais pas trop comment ça aider. Je crois que les Vras ça peut être bien. Je crois par contre que Mystical Dispute c'est sûr que c'est une erreur. Je rajouterai un Dovine. Je rajouterai cet Augure que je vais toujours rentrer en fait. Augure bleu et Augure blanc, je crois que ça veut tout le temps être dans le deck. Donc bon, au moins ça te permet de sider facilement quand tu connais pas le deck de ton adversaire. Mais ça n'arrive pas quoi. Mais t'avais encore Agent, non? Ah non, Agent, il est banni, poté à l'ordre. Bah, je comprends qu'il soit pas très combatif. Si son but, c'est de curver des bêtes à 4 et qu'il se prend Teferi et qu'il est sous le lock Teferi Narset, je comprends qu'il ait pas été combatif dans l'idée. Ouais. Cette main, elle est mulligan. Cette main, elle est gardée. Quoique j'ai bien envie d'avoir une charieuse main de départ. Et encore. Non, je vais pouvoir aller chercher mes cartes avec Augure, donc ça va. Ça va, ça va. Tu rencontres plein d'Abzan en ce moment? Oh, quelle chance, j'aimerais bien rencontrer plein d'Abzan pour monter le ladder, moi aussi. Oh, c'est pas mal, ça. Ok, donc cercueil de verre, la fera du taf. On va l'en désengager et passer le tour. Free point. Ah, on va pas gérer le lion tout de suite. C'est pas déconnant d'aller faire une Narset ici et de proposer un coup de lion dans Narset. Ouais, voilà, on va prendre une naissance. Là, ici, on pourra du coup faire passage merveilleux pour aller chercher un land bleu et curver Kenris au tour 5. Ça devrait être pas trop mal. Ok. Là, ce qui se passe de notre côté, ça va nécessiter quand même une Vras hein, à un moment donné. Hein. Salut Torino, comment ça va? T'es prêt pour ce week-end? C'est ce week-end que tu t'es qualifié. Hein. Si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis des bêtises, cela dit. Après, le plan de jeu de curver des bonnes mythiques, ça marche hein, quand ton oppo fait rien. Voilà. Genre, il a pas besoin d'avoir un bon deck. Juste, il joue des bonnes cartes individuelles. Quand ton adversaire passe son temps à poser des landes sans avoir de Vras, oui, à terme, il va gagner. Ouais.
J'ai pas trop de mal à imaginer ça. Ah d'accord, ok, donc t'as choisi le tournoi du vin, je comprends. ECD, je suis mort. Non, je suis pas mort. Je peux bloquer ça, prendre 4 et aller ECD Séraphine. Le problème, c'est que je pourrais pas Yorion parce qu'il faut payer 3. Le tour d'après. Je vais quand même lui montrer, lui jouer Château qu'il a déjà vu. Ouais. Ça a l'upgrade de lui bloquer une bête de quête en main. Et surtout, de, si je trouve une vraie, de pas lui laisser les procs des, de l'afterlife. On va dire qu'on est encore vivant. D'accord. Je gagne 2 PEV. Et je suis encore vivant grâce à Kenris pour l'instant. S'il a pas d'anti-bet, je suis encore vivant. Ce qui est plutôt nice. Nice! Et le tour d'après, on a quoi à faire revenir? Une Narset pour aller chercher une Vraz, c'est pas mal ça. Torino, tu sais ce que vont jouer Swift et Thierry pour ce week-end? Genre ça part, c'est lock sur June, c'est ça? The Machina. Le mec, c'est la machine en face. T'es mieux, Rek? Ah ouais, poubelle June, d'accord, ok, incroyable. On va bloquer comme ça et comme ça. Oh, on est dans une non-combativité en face, c'est incroyable. Bon. Bah il est bien ton deck, hein, Sengir, puisque les oppos ils curvent juste des bonnes mythiques et dès que tu leur poses des bloqueurs, ils concèdent. Forcément, il est bien quoi. Si je me permets une amélioration, hein, je me permets, après t'en fais ce que tu veux, hein, Senja. Ah, c'est le meilleur deck de très loin. Donc ça, c'est ton deck. Moi, je te dis, si jamais je devais jouer ce deck-là sur le ladder, je ferais ça. Tu me dis si tu valides ou pas. Déjà, là, t'as vraiment un cut facile, quoi. Voilà. Parce que ça, déjà, c'était pas possible. Voilà. Ça déjà c'est comme ça. Je pense que Hidaro c'est pas une bonne idée. Enfin tu vas faire ok Lucas, Hidaro et ça prend Tibet et c'est juste un problème. Typhon je pense que c'est trop important surtout quand il y a règle dans le format. Combativité. Ah j'ai dit combativité. Non mais je suis malade. Je suis fou. Complètement dingue. Bah du coup ça tu connais l'amélioration hein. C'est juste il te faut des wildcards, je comprends bien la dynamique, le problème de la wildcard hein. Je vais voir un peu la base de mana ce qu'elle raconte. Ouais tu veux vraiment très très peu de montagne hein. Ton seul splash montagne c'est Lucas donc ouais, ouais. Du coup tu veux des temples aussi. Un truc comme ça j'imagine. 4 fabuleux, 4 triomes, tac, 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 tac. Il y a combien de mana? 35, je pense que c'est ok si tu joues 4 bursts. Ouais. Ok. Cette Elspeth, elle est discutable. C'est pas horrible, mais je crois que tu peux avoir que 2 disputes main deck. Garder cette Elspeth. Non, je fais du deck viewer aujourd'hui, poté à l'ordre. Après réclamation ça gère difficilement une 8-8. Ouais mais réclamation juste tu résoudras pas Lucas donc ça paraît pas être tip top quoi. On pourrait avoir d'ailleurs que 3 chariots main deck. Non je pense que c'est quand même pas mal.
Tu vois, déjà là, je trouve que le deck il est un peu plus carré, un peu plus solide. Dans le side, du coup, je mettrais. Hop, je upperai les vétos et compagnie. Je crois que Kenris, c'est vraiment. En fait, si tu joues Charios, t'as pas besoin de Kenris. Je trouve pas ça très pertinent. Qu'est-ce que je mettrais dans ce side? J'aime bien le x4 de Narset. J'aime bien juste mettre un x4 de tout ce qu'il y a de Jamendeck. Deck. Je trouve que c'est les meilleurs sides pour Yorion, c'est-à-dire augmenter les quantités de tes cartes. Fin du compte, c'est quand même vachement moins pertinent maintenant. Il y a ça qui est pas trop mal si Monored est dans le format. Comment elle s'appelle? C'est l'Arconte. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout et ça rentre très très bien dans ton plan de jeu augure en fait. Vu que tu as des augures des forges, ça synergise bien avec Arconte. C'est pas incroyable mais ça se défend si jamais tu rencontres beaucoup de mono-red. Oh ouais, Kenrith c'est pas possible. Tu peux pas jouer Kenrith si t'as pas de fire du coup. Alors, est-ce qu'on a quand même plus une base blanche? Ouais, donc on a 6 landes blancs, 4 landes bleues, une montagne. On a tout en x4, temple et tout. Ouais, je crois qu'on est ok. Un beau dos de cartes, c'est important. Écoute, moi, si je devais jouer ce deck-là, je le jouerais comme ça. Ça me paraît plutôt bien, en fait. Plutôt solide, hein. Ouais. Je jouerais comme ça le deck, ou alors je jouerais juste la version de Nassif. Et en gros, la version de Gabriel Nassif, c'est un deck Yorion, mais qui joue que 60 cartes. Qui du coup n'a pas Yorion en compagnon mais qui a 3 Yorion main deck, ce qui lui permet du coup de jouer en 60 cartes et d'être extrêmement redondant. Et en fait son kill c'est juste un kill à la value avec Yorion et Augure du Soleil. Il n'y a pas de Charios de Rêve, il n'y a pas de Lucas. Il y a juste un U-Wide Control qui va essayer de gagner les guerres d'attrition avec Yorion. Et ça a l'air d'être un super bon plan de jeu. En tout cas, si je veux coller à l'idée de ton deck, Sengir, moi ça ressemblera à ça. Mais si jamais tu veux vraiment juste jouer un bon deck Yorion. Je pense qu'il faudrait que tu ailles prendre la version de Nassif. Et pour la version de Nassif, je vais regarder si je peux te l'envoyer. Ouais. Déjà, je t'exporte ce deck-là. Donc ça, c'est la version améliorée. Et la version de Nassif, je l'ai vue dans. J'ai dû la voir dans Metagame tout à l'heure, je crois. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui l'a posté. Tiens, je t'envoie la version de Nassif, elle est là. Copier. Je te l'envoie en anglais parce qu'ils l'ont mise en anglais, hein. Mais c'est ça la version de Nassif. Ça commence à. Attends, je te mets un petit smiley pour différencier les deux listes. Voilà, ça commence à partir de Aether Gust. Avec plaisir, Senja. Mais ouais, ça a l'air bien solide. Du coup, c'est au tour de. Le petit Acacia, si jamais tu veux payer tes points, m'envoyer un deck viewer. Pareil, je pars le tester directement en ladder. Avant, j'ouvre la decklist, je dis ce que j'en pense. Un avis totalement théorique, sans pratique en fait. Après, on va tester le deck. Et avec mon avis théorique plus un petit échantillon de pratique. Donc, du coup, j'aurai un petit avis pratique. J'essaye de proposer des améliorations. Et je te renvoie le deck en MP, amélioré. À mon sens, bien sûr. Après, t'es pas obligé de suivre mes améliorations. Salut Bagheera, comment ça va? Enzo, ça a changé. Exactement, c'est mieux comme ça maintenant en fait. Du coup, je sais pas si tu es toujours là, le petit Acacia, tu voulais passer juste après Sengir. Si le petit Acacia est pas là, je le remets juste à plus tard si quelqu'un d'autre veut me présenter un deck viewer. S'il n'y a personne qui veut présenter un deck viewer, je pars en ladder, il n'y a pas de problème les gars. Juste tenez-moi au courant. Dites-moi. Je suis là, moi. Je veux bien. Eh ben écoute, vas-y, petit pois, avec plaisir. Je te laisse payer les points et tu m'envoies ta decklist en français au format Export Arena en MP sur Discord. C'est le plus simple pour récupérer la decklist pour moi. Si tu la mets dans le chat, elle va être toute collée, je pourrais pas l'importer. Salut Helsing Legend.
Ah, c'est rigolo, je vois des compagnons et Lucas, ouais, j'avoue. Le deck de Nassif, non, il est pas sur notre Discord, il est sur Perf, le Discord Perf. Tu peux pas payer? Ah bah attends, bah laisse peut-être la place à quelqu'un qui peut payer dans ce cas-là, petit pois. J'avoue, il manque un gold très cher. Ouais, mais en fait, le problème des golds très chers, c'est que du coup, il y a des gens qui restent, qui vraiment sont là pour accumuler de points, pour payer ce gold très cher. Et un gold très cher, c'est un truc qui prend du temps, et du coup, qui ne nous laisse pas mettre de notre stream. Et en fait, ce gold très cher, bon, on va juste dire un jour sur un stream comme on fait là, en mode salut, aujourd'hui, vous pouvez faire le gold très cher, tu vois. Et en fait, l'utilisation des points, nous, on veut que ça soit au moment où on le choisit avec PL, tu vois. J'ai pas envie d'être pieds et poings liés de l'utilisation des points de la chaîne. J'ai pas envie que si, par exemple, j'ai un deck à présenter ou j'ai un ladder à grind, bah, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui dépensent les points et qui, entre guillemets, bah, m'obligent à faire quelque chose en stream que je n'aurais pas prévu, tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, en fait, je pense que l'utilisation des points, c'est bien, mais en même temps, ça doit rester assez anecdotique, un peu sporadique. Donc, du coup, ça sert à rien d'avoir des goals immenses parce que de toute façon, on va le faire très très rarement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que j'aime bien, c'est plus en mode, ok, bon, bah, les gars, aujourd'hui, on dépense vos points. Mais en vrai, c'est un petit plus, tu vois, les points de chaîne. Faut pas que les gens viennent voir le stream juste pour accumuler des points de chaîne, juste pour utiliser leurs points de chaîne. Parce que, bah, passer un certain nombre de viewers, on a la chance d'avoir quand même pas mal de viewers. Tu peux pas. Je veux dire, si jamais tu dois, dès que quelqu'un a des points utilisés, si tu dois directement répondre à cette personne, bah déjà on stream pas assez pour satisfaire tout le monde. Et même si on streamait assez, eh ben en fait, on serait plus du tout maître de nos streams, on proposerait plus du tout ce qu'on a envie de faire. Et moi, personnellement, c'est mon avis, j'ai l'impression en tout cas que là où je suis le meilleur en stream, c'est quand je stream ce que j'ai envie, tu vois. Pas forcément quand je stream ce que les gens attendent de moi. Je pense que c'est aussi le but du streamer, c'est de partager sa passion, de partager quelque chose et pas forcément que être le streamer que les gens attendent de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, les points de chaîne, c'est surtout une attente de viewers et c'est bien de temps en temps de répondre à l'attente de ces viewers. Mais en vrai, tu feras quand même les choses mieux si c'est toi qui as décidé de présenter quelque chose. Moi, quand j'arrive en stream, j'ai toujours un but, j'ai toujours un deck à vous proposer, j'ai toujours un rang à atteindre, j'ai toujours une envie particulière. Et c'est là où j'arrive à transmettre le mieux. Donc, les points de chaîne, c'est super, ça répond à une demande communautaire, mais j'ai pas envie que tous mes streams soient des réponses à une demande communautaire. Vous avez compris? Donc, je pense que les points de chaîne là qu'on a mis en place, ils sont cool, ils sont pas très chers, ça permet à tout le monde de pouvoir les utiliser, sauf que c'est quand on a décidé de les utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça que je vois les choses. Je sais que tout le monde verra peut-être pas les choses comme moi. Mais voilà, c'est ma façon de voir les choses, entre guillemets. Non, les goals sont pas si bas, Enzo, parce que comme je le dis, en fait, il n'y a pas de goal à atteindre. Tout le monde pourra participer, mais sur des streams où on aura décidé, entre guillemets. C'est pas en mode, à n'importe quel stream, tu payes tes points de chaîne et on fait. Non, là, c'est pas très cher. Cependant, la contrepartie que ça soit pas très cher, bah, c'est que l'utilisation des points de chaîne ne peut intervenir que sur les streams où on a décidé qu'ils interviennent. C'est une espèce de donnant-donnant. Ils sont pas trop trop chers, mais en même temps, ils sont disponibles que sur certains streams. Moi, je trouve que c'est un bon compromis, en fait. Non, je sais pas quand toutes les cartes M20 seront dévoilées, T-Boss. Et pour répondre un petit peu plus haut à OSW Osk, est-ce que M21 me hype? Ouais, ça me hype pas mal. Et ouais, Ugin, ça a l'air très très fort. Ouais. Après, c'était joué en standard à l'époque et ça n'a pas cassé son format. C'est une très bonne carte, c'est un très bon haut de curve. Je pense quand même que si tu résous Ugin et que ton adversaire il a plus de board, il y a de grandes chances que tu gagnes la game. Mais on a quand même des, voilà, on a des cavalières meurtrières, on a des anti-planeswalkers et tout. Donc je suis pas sûr qu'Ugin soit un problème, mais en moyenne, M21 me hype pas mal. Ouais. Y a pas de souci, grand pied, grande chaussure, je vais prendre le deck de petit pois, pas de soucis. Vas-y petit pois, je te laisse envoyer ton deck en MP et je te remercie grand pied, grande chaussure d'avoir payé les points pour le petit pois, même si c'était pas les 20 000, y a pas de souci. De toute façon, il n'y avait personne d'autre qui était intéressé. Donc comme ça, je refais un petit deck viewer et après je partirai en ladder. Ah mais je serais jamais dégoûté de Twitch, RX. C'est juste que quand tu te lances dans le streaming ou dans le YouTube,
C'est surtout parce que tu as des idées, parce que tu as des envies, tu vois. Et donc, du coup, si tu passes ton temps, en fait, à répondre aux envies des autres gens, bah, tu seras moins performant. Après, de là à parler d'être dégoûté de Twitch, on est à des années-lumière d'être dégoûté de Twitch. Je veux dire, même si je faisais des deck viewers pendant 6 mois, je serais pas dégoûté de Twitch. Juste, je serais frustré de ne pas pouvoir mettre en place ce que moi, j'ai décidé de faire, RX. Pas non plus, on passe pas de tout est génial à ah, c'est horrible. Non, c'est juste que dans la balance, je pense que je serais un meilleur streamer quand je mets mes idées en avant, plutôt que juste de répondre aux idées des gens. Tu vois ce que je veux dire, RX? On est quand même très loin de la phase de dégoût, quand même, faut pas déconner. Mais ouais, c'était un peu l'idée que je voulais transmettre. C'est difficile de mettre des mots sur des sentiments comme ça, parce qu'il y a un côté aussi un peu bah, égo, tu vois, un peu égoïste à vouloir faire aussi ce que tu as envie en stream. Mais c'est la vérité, on va pas se cacher, quoi. Tu te lances pas dans la création de contenu si t'as pas envie de présenter tes passions, tes envies, tu vois. Ouais, par contre, on est tous dégoûtés de plus avoir les OAV Naruto, ouais, carrément, ça c'est sûr. Y a pas de souci, grand pied, grande chaussure. Du coup, petit pois, je te laisse envoyer ta DL en français. Ah, c'est bon, petit pois, il a tout envoyé. Ok, ah, c'est du deck Brawl, super. Alors, par contre, tu vois, le deck Brawl, je pense que je vais pas avoir grand-chose à t'apprendre là-dessus, tu vois. À mon avis, tu auras la meilleure version du deck parce que j'ai très peu joué en Brawl. Donc, j'aurai pas d'analyse méta, j'aurai pas de comparatif à t'apporter, je pense. Donc, je crois qu'on va juste partir sur un bon test, quoi. Ouais, on a atteint les 280 pour le Raid Shadow. Merci énormément d'ailleurs. Merci à tous pour ça. Ah, vas-y, je vais importer du coup et on va regarder ça. Tu as fait quoi comme étude? J'ai une licence de droit Elfinor et j'ai un bac scientifique à la base. Ouais, bah Torino, merci, mais bravo à vous en fait. Enfin, il faut se rendre compte quand même que si on a réussi à faire ça à la base, nous on a juste joué à un jeu, on a demandé à notre communauté de nous soutenir, quoi. Et c'est vous qui avez répondu à l'appel, tu vois, qui avez tous fait l'effort de télécharger le jeu, faire le tuto et tout. Genre nous dire bravo à nous, bah non, on a juste streamé 2 heures, fait des annonces sur les réseaux et après demander pendant nos lives d'aller télécharger le jeu. Et c'est vous qui avez été extrêmement impliqué, donc merci énormément, c'est un truc de fou. Et pour les retours qu'on en a de Red Shadow, bah ils nous ont dit votre commu est incroyable, extrêmement engagé, et oui, on vous rappellera, on repensera à vous. Et ça, bah c'est un régal, quoi, de savoir que la première OP professionnelle, avec donc des gens qui sont dans le milieu, qui font des OP avec tous les autres streamers, des gens bien plus gros que nous, bah soit là en mode, ok, ces petits gars-là, ils ont quand même réussi à tout casser, mais en fait, c'est pas ces petits gars-là, c'est la communauté de ces petits gars-là qui ont réussi à tout casser, et bah ça régale, voilà, je vous le dis, merci énormément, ça nous fait extrêmement bien voir auprès de ces gens-là, et bah ça nous annonce peut-être de futurs OP. Alors évidemment, on va pas se mettre à faire des OP toutes les semaines, vous avez bien compris, c'est pas ça le but non plus, faut que ça reste digeste et que notre contenu principal, ça reste du Magic Arena, mais si tous les mois, tous les 2 mois, on arrive à avoir une petite OP et qu'à terme, ça nous permet de quitter notre taf, bah franchement, on deal avec ça, quoi. On deal à fond. Il paraît que vous avez plus de téléchargements que Squeezie. Mais écoute, tu rigoles, Arias, mais en termes d'engagement, en termes de proportion de viewers, je suis à peu près certain qu'en termes de proportion, on a eu plus d'engagement que Squeezie, ouais. Mais c'est sûr, les gens ont été incroyables. Avec notre communauté, Arias, en fait, quand les gens te contactent chez Red Shadow, ils te mettent une grille, en fait. Ils te disent ton nombre de téléchargements minimal à faire et le nombre de téléchargements maximal que tu dois atteindre avec ta commu. Notre minimal, il était à 35, notre maximal, il était à 85, notre maximum. Et en fait, on est monté à 280, ils ont bougé 6 fois nos paliers. Donc ouais, en termes de proportion, mais bien sûr qu'on a eu plus d'engagement que... Et bah, c'est parce que la commu Magic, elle est extrêmement soudée, engagée, plus mature, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez été les boss, sachez-le, quoi. Donc merci beaucoup. Alors... Ce deck Brawl, ça joue Yarok le Profané, probablement avec plein de TB. Tu es un bot, Arias. Ouais, je pense aussi, Torino, ça évite de demander de l'argent à ta communauté. C'est comme si tu fais un peu un travail de journaliste, quoi. Il y a des jeux qui te proposent de te rémunérer pour y jouer. Tu passes un bon moment avec ta commu et tu leur demandes un petit peu de temps de manière gratuite pour te soutenir en téléchargeant le jeu. Et moi, je trouve ça fair
comme fonctionnement, en tout cas pour à notre niveau où Magic ne nous permet pas de vivre pleinement de notre contenu, bah je trouve ça grave cool quoi. Genre je valide et si les OP sont aussi fluides qu'avec Red Shadow, bah let's go quoi. Alors, du coup, on veut plein de TB, on veut fixer notre mana. Fubul Tube, c'est cool, on veut de l'accélération normale. Ok, torsion temporelle pour refaire les ETB, c'est cool. Anti-bête, anti-bête. Sympa, ça nous permet d'aller chercher, j'imagine, des récifs émergents. Cachet ésotérique normal. Alirio, c'est un ETB, un élémental. Ça, je suis un peu moins fan, c'est discutable. C'est un mauvais accélérateur, mais pourquoi pas. Récif, traque loin. Ok, là, on cherche tout ce qui fait du mana. Du coup, il ne doit pas y avoir beaucoup de tour 5 parce que c'est souvent Yarok. Ouais, Legit, incubation. Ok. Ok, ah, il y a Giruda. J'avais demandé s'il y avait Giruda. Effectivement, il y a Giruda, donc c'est cool. Dévoreur, tac-tac. Ok, Dreador. D'abord, on a tous les bons rituels à 6. L'agent de traîtrise, Golem. Tac-tac-tac. Combien il y a de land? Faut que c'est full land, ça, un deck comme ça. Ah, 22 terrains, c'est pas un peu peu, les gars? Est-ce qu'il y a des professionnels du Brawl là dans le chat? Est-ce que 22 land c'est pas un peu juste? J'ai quand même la sensation là que. Bah, tu rigoles, Squalkiko. Je suis à des années-lumière du niveau professionnel. Si vous voulez regarder des mecs qui s'approchent du niveau des MPL en streamer français, allez regarder Thierry Ramboa ou Swift notamment. Ça, c'est des mecs qui tryhardent fort. Moi, je tryhard pas pour avoir ce niveau-là et je l'ai naturellement pas de toute façon. Donc, moi, j'aime beaucoup le compétitif, mais en tant que spectateur, j'aime beaucoup builder, tester des trucs et tout, mais j'ai pas l'engagement nécessaire et la volonté pour aller plus haut, quoi. Tu veux plutôt 25-26 landes, ouais, on est d'accord, hein. Ah, j'imagine que c'était une blague ce que tu me disais, Squalkiko, parce que je pense que sinon tu te rends pas compte l'écart de niveau qu'il y a entre des joueurs comme eux et des streamers comme moi, quoi. Je crois pas que t'en veuilles autant qu'en standard à Delnikov parce que t'as quand même beaucoup plus d'accélération. Parce que dans un deck comme ça, avec autant de haut de cœur, tu serais plus à 28-29 landes. Il y a un truc qui me gêne ici, c'est qu'on n'a pas de spirale de croissance. Cela dit, c'est vrai que c'est pas un ETB, mais je crois qu'on s'en fout, on voudrait quand même des spirales. Et on voudrait un peu plus de land, mais écoute, comme je dis à chaque fois, c'est le deck viewer, on teste en l'état. Donc deck petit pois, et après on proposera des modifs. S'écrit comment petit pois? Ouais, s'écrit comme ça, putain, j'avais peur. Ouais, mais une bonne analyse, ça suffit pas et. Ça suffit pas. Ça suffit pas une bonne analyse et même quand j'ai une bonne analyse, bah, les joueurs pros, ils ont au moins une aussi bonne analyse que moi, quoi. Si ce n'est meilleur, à chaque fois. Comment on fait pour aller faire du brawl? Je suis désolé, les gars, je fais jamais, jamais de brawl. Let's go, ouais. Ah non, mais là, il y a des cartes. Oh bah, il n'y a aucune carte qui est bannie. Ah bah, let's go alors. Non, non, c'est pas du tout un de mes objectifs, Torino. Tu rigoles. C'est bien trop tard. C'est un truc qui me faisait rêver quand j'étais un régulard de boutique, que j'étais un peu plus jeune. Mais ça me faisait rêver, mais je me suis jamais donné les moyens. Tu vois, je me déplaçais plus pour du duel commander. J'allais jusqu'à Valence, à Annecy et tout, que pour faire des QT, quoi. Je me déplaçais pas, donc je me suis jamais donné les moyens de ça. Et là, actuellement, en étant streamer, youtubeur, je sais que si jamais ça m'intéressait d'essayer d'acquérir le niveau pour ne serait-ce que entrevoir l'idée peut-être d'être Rivals, bah avec toute la création de contenu que j'ai actuellement, plus mon travail à côté, je rognerais sur ce taf-là de créateur de contenu, tu vois. Et je rognerais très très fort là-dessus. Donc non, ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout, quoi. Moi, ce qui m'a. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un mulligan gratuit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer les tournois avec ces mecs-là, tu vois. Genre, quand je me qualifie, tous les mois, j'essaye d'être 1200 pour me qualifier au Mythic Championship Qualifier Weekend. Parce que sur un malentendu, un jour, je ferai un PT, tu vois. Une fois, peut-être, sur un malentendu. Et j'aurai la chance d'aller jouer contre Seth Manfield, tu vois. Ça, c'est un malentendu qui me plaît, tu vois. Ou juste jouer les Red Bull Untapped parce que
Bah parce que l'an dernier, le jour de mon anniversaire, il y avait le Red Bull et que première game, je tombe contre Gabriel Nassif et au final, je finis par faire top 8 du Red Bull. Et c'est un malentendu qui est plaisant, tu vois, parce que j'aime jouer contre les joueurs forts et c'est sympa. Mais ça s'arrête là, quoi. J'ai aucune ambition. Mais ça se voit quand je joue très machinalement. Ça se voit que j'ai pas d'ambition compétitive, tu vois. De temps en temps, je me mets un peu à tryhard, mais ça reste gentil quand même. En fait, quand je tryhard, c'est plus parce que j'ai envie de promouvoir un deck, tu vois. J'ai plus le côté building, analyse méta qui m'intéresse. Et je suis même plus chaud que des joueurs bons jouent mes decks, tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'on va à Néoforme le Fubultube pour aller chercher un récif émergent. Ouais, c'est un investissement Arias que je ne peux pas prendre, tout simplement. Et que je ne veux pas prendre. En plus, ça ne me plairait pas de. C'est difficile. Les gens se rendent pas compte. Ils pensent juste, oh, le mec est talentueux, il est pro. Pour avoir passé des moments à tryhard quand même sur Arena, jouer énormément à Arena et tout, ça devient vite aliénant, vite saoulant. Ça peut un peu te dégoûter du jeu. Et quand tu es professionnel et que tu as une dynamique où tu as des points à la fin de l'année et que tu dois essayer de rester dans le train, bah quand tu commences à jouer mais que tu ne t'amuses plus, que tu commences à jouer pour gagner ta vie, c'est un truc, moi, qui me. Je suis un peu une flemme, tu vois, comme mec. Et c'est un truc qui me plairait pas, je le sais, quoi. Je serais un peu angoissé de vivre dans ce monde-là, entre guillemets. C'est pas pour tout le monde d'être joueur pro, exactement. Et même si tu es extrêmement talentueux, il y a des mecs très talentueux qui ont juste pas le psyché pour être pro, pour rester dans le train, tu vois. Ouais, mais pareil, Brad Nelson disait qu'il était en burn-out avant le MC7, clairement. Et moi, ça ne me plairait pas, quoi. Ouais, je préfère jouer par passion, par envie, quoi. Traquelin, ça va chercher un land et ça le met dans ta main, c'est ça? Je crois qu'on va juste faire lanterne pour avoir le droit de faire Yarok le tour d'après. Je peux fetcher pour faire une. Ouais. Pour faire une caryatide. Ouais, j'avais même pas besoin de fetcher, cela dit. Ouais, enfin, quand t'es pro, faut jamais être feignant. Jouer machinalement, faut proscrire. Et bah, du coup. Quand tu stream, tu joues beaucoup machinalement, surtout quand tu vas être proche de ton chat. Enfin, vous vous rendez pas compte de tout ce que ça implique, quoi. Ça implique pas juste jouer régulièrement, parce que en termes d'heures de jeu, je joue énormément déjà, mais c'est pas la même façon de jouer en fait. Est-ce que c'est pas mieux de développer d'abord une Nissa? Si je développe d'abord une Nissa, ça fait quoi? Et je peux derrière Yarok, hein, si je dis pas de conneries. Normalement, oui. Mais Canister et Mengu, ils donnent l'air de s'en foutre, mais déjà, ils sont extrêmement talentueux. Déjà, beaucoup plus que la moyenne. Genre, ils ont un niveau technique qui est très très puissant. Très très fort, supérieur à la normale, et ils ont l'air de s'en foutre, mais t'inquiète qu'ils tryhardent comme des fous hors stream, quoi. T'inquiète qu'ils font des groupes de tests, qu'ils jouent avec d'autres pros, qu'ils font des séries. Solide ça. Bah voilà, tu vois Neighborhood. Est-ce qu'un jour tu feras un tournoi entre viewer et pro? C'est-à-dire petit pois. Je crois que ça me dérange pas qu'il pète. Enfin qu'il mette 5 points à Nissa.
Ouais, et comme j'ai vu un petit peu plus haut dans le chat aussi, ce que je fais de mieux depuis maintenant plus de 10 ans, c'est regarder les pros jouer. Et ça, c'est un grand kiff. Moi, je préfère regarder des games de pros que jouer des games. Et je crois que dans ma vie, j'ai passé plus de temps à regarder des games qu'à en jouer. Alors, avec Arena, c'est en train de s'inverser parce que je joue beaucoup. Mais avant Arena, j'étais vraiment un consommateur de contenu, tu vois. Et j'adore regarder les gens jouer à Magic et jouer bien. Et donc, du coup, en fait, bah, caster les événements mythiques, c'est un truc qui me hype beaucoup plus que d'essayer de tryhard pour en faire partie, en fait. Genre, moi, quand y a un Pro Tour ou un Mythique Invitational, c'est... Ah putain, ce week-end, il y a un Mythique Invitational, quoi. Je suis chaud, tu vois. J'ai envie de voir, j'ai envie de regarder. Et là, je suis deck. S'il n'y a pas de coverage pour ce week-end, bah, je vais regarder via le stream des mecs qui stream, mais je suis deck qu'il n'y ait pas de coverage, quoi. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Keenan, ça fait quoi en fait? Ça fait des trucs complètement vénères. Je peux juste Yarok et après on fait trophée. Ouais, c'est ça. Comme le foot. J'adore regarder le foot. Pourtant, je vais pas faire un foot avec mes collègues souvent, quoi. Même plutôt rarement, pour être très honnête. Bah là, c'est un peu pareil pour moi et Magic, quoi. Je crois qu'on va quand même casser Cromlech plus que Keenan, parce que Keenan, il peut le rejouer facilement. Il y a un coverage, ils ont autorisé le cocast. Ok, Arias. Ok, bah lourd, putain, je suis trop content. J'avais peur justement qu'il n'y ait pas de coverage. Et c'est plutôt nice. J'ai pas de club de cœur au foot, The Skill. Je suis un peu footix dans l'âme. J'aime bien les clubs qui sont forts. J'aime bien surtout les clubs par rapport aux joueurs qu'ils ont dans leur rang, tu vois. C'est quand le prochain tournoi cast? Écoute, Baguera, on donne tout. On est en train de tout faire pour avoir le droit de caster l'Invitational d'août. Voilà. C'est l'objectif là. L'Invitational qui est devenu du coup les anciens Mythic Championships sur Arena. Voilà, je précise. Non, je suis pas spécialement OM friendly. Moi, quand le PSG est en Ligue des Champions, je suis derrière le club français sans hésiter. Ah ouais, il y a un player tour ce week-end, French Blood. Méchant ça. Ça piétine aussi. Du coup, je peux juste laisser mourir ça. Derrière, j'ai la mana pour faire commander l'Orbe de l'Effroi. Du coup, faut que je donne ça. Plus ça. Ça me permet de faire pour 5, 10, pour 12 mana, ça me permet de faire un truc de fou. Ouais, c'est pas mal, hein. Il peut tuer les deux, ouais, on est d'accord. Ok. Salut Yoko-sama. Cimetière. Ah, j'ai un plan de jeu là. Là, je prends 13. Ah, vas-y, un de plus, hein, sans cague. Je suis pas méga concentré sur la game, hein, les gars. M'en voudrais pas. Hein. C'est sympa, on fait des trucs bien quand même avec ce jeu. Il est bien ce jeu. Ah, dommage, on n'était pas loin de faire Giruda ici. Je crois que je vais quand même essayer de mettre un peu des bloqueurs vite fait, quoi. Là, ça va en mettre deux. Ouais, c'est nice. Et là, ça va mettre deux full. Ok. Sugoi! Ça va, on commence à être humble.
Après, il doit pouvoir faire des grosses dingueries, Keenan, hein. Ah, c'est fort ça. Ah, il doit avoir que des monstres dans son deck. Ça ressemble un petit peu au Kiora de PL. Sauf que ça joue Kinan, quoi. Après, ça, on s'en fout en vrai. On va pouvoir le rejouer à la main, donc. Là, je le mets en command zone. La command zone. Est-ce qu'il y a un overrun dans le deck? Je crois pas. Hein. Faut vraiment gagner à la value. Alors ça, on va essayer de le tuer quand même. Genre avec ça, ça. Et ça. Je peux refaire 1000 proc avec ça. Là, j'ai rien de très intéressant à faire revenir. Ah si, mais attends, je peux lui piquer son avant-coureur, non? Si je fais avant-coureur, là, j'ai gagné. Ah non, c'est pas de son cimetière. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça sera parmi les 4 cartes meulées. Il aurait fallu que j'arrive à lui remettre au-dessus du pack. Ouais, si on n'a pas d'avant. Nous, on a un avant-coureur, de toute façon, dans notre deck, hein. Ouais, faut aller le chercher, je pense. Là, on n'a pas le choix maintenant. Ah, Donjon de Guest, c'est pas mal du tout. Ah ouais, ça pourrait bloquer Kinan sur le champ de bataille. Ça serait même très très solide. On n'a pas la mana, là, pour Donjon Guest? Bah, normalement, si, je crois. Ah non, on a que 3 mana. J'attaque. S'il trouve pas des dingueries sur le dessus de son pack avec Kinan, on n'est pas si mal, hein. Je prends la mana, ouais. Ok. Ça m'a perdu mon mana, ça m'a pas laissé la prio. C'est pas grave. Salut dingue, comment ça va? Ah non, il est pas obligé de la taper, donc ça sert à rien en fait, Gaz Donjon. Bon, ça va, il a trouvé de la daube. En fait, dès que je trouve un sanglier, on a gagné. Écoute, ma foi, petit pois. Ce fut solide. Ce fut pas mal solide. Ce fut pas mal solide. Il a eu un plan de jeu un peu rapide, un peu early bourre. Et au final, on a fait tellement de value. La commande The Dreadhorde nous a fait instant win la game, en fait. En mettant Yarok au cimetière et en pouvant faire revenir Yarok plus récif émergent. Je vais pas avoir de super améliorations à te proposer, quand même. Ne serait-ce que parce que je joue pas assez en brawl pour te proposer des améliorations fluides. Le seul truc que je dirais, c'est qu'il manque plus de land. 22 land, c'est pas possible. Je pense qu'il en faut 24, 25 avec tous tes accélérateurs. 24, 25 land. Et que c'est un peu gratuit d'avoir une spirale de croissance quand même dans le pack. Hein. Franchement, si t'as un paisseur, y a pas de raison que t'aies pas de spirale, quoi. Ce que je cutterais, c'est torsion, qui est un peu trop cute. Ça, c'est vraiment nul. Que je cutterais d'autres. Trac loin, c'est. Ça le met dans ta main, c'est pas bien. C'est pas bien, ça t'accélère pas. Et ouais, je rajouterais deux landes. Qu'importe. Tiens, hop, là, on va aller voir. Voilà. Très grossièrement, je ferais un truc comme ça. Voilà. Mais vraiment en survolant, quoi. En gros, tu rajoutes 24, tu passes à 24, 25 landes. T'enlèves les cartes qui sont un peu cute, un peu mignonnes, et tu rajoutes Spirale de Croissance et. Et je sais plus quelle est l'autre carte qu'on a rajoutée, et sinon ça me paraît très très bien.
Non, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Je te réexporte le deck du coup, petit pois. Et merci d'avoir participé. Il était fort sympa ton deck. En plus, j'aime bien Yarok, c'est une bonne carte. Ouais, what à rajouter, si c'est légal, effectivement, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal du tout. Je sais pas, Wador, ça paraît ok, non, quand même. C'est un accélérateur de mana qui fait un ETB sur ton Yarok. Je pense que c'est fine dans le deck. Ok, merci Arias du coup pour l'annonce. Bon bah du coup génial, je vais pouvoir mater le coverage ce week-end, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais du coup comment ils vont faire? Ils ont obligé des. J'ai exporté le deck de base. Ah, je crois pas. Hein. Si? Non, j'ai pas exporté le deck de base, c'est bon. En fait, j'avais copié le deck et après j'ai exporté le deck copié, mais le deck était déjà transformé. Qu'est-ce que je pense pour l'instant d'M21? Bah, on en parle longuement dans la vidéo qui sort ce soir à 17h avec PL. Pour l'instant, je suis plutôt hypé, j'aime bien ce qui se passe. Je trouve que ça propose un standard un peu différent de celui qu'on a depuis un an et demi, donc c'est plutôt cool. Ça sera cool à la rotation plus que pour cet été, évidemment, hein, quand on aura plus Ravnica et War of the Spark. Cela dit, les cartes qui ont été révélées, moi, je les trouve cool. Je suis un peu nostalgique parce que c'est plein de cartes que j'ai jouées dans des standards précédents et c'était cool. Le seul truc, et j'en ai longuement parlé sur mon stream hier matin, c'est la réédition des temples que je trouve chiante, quoi, parce qu'on a envie de jouer des decks bicolores aggro et que les mana bases ne nous le permettent pas en standard depuis un an et demi. Et de rééditer des temples, sachant qu'à la rotation, on perd les Ravlands et quand bien même on aura des landes dégagées dans l'extension qui sort en septembre, bah du coup, on n'aura pas 8 bilans dégagés pour jouer des bicolorités aggro. Et du coup, bah. On continuera à jouer des monocolores aggro qui sont du coup pas extrêmement puissants, qui resteront toujours en embuscade pour aller battre les decks grindy qui les ont oubliés. Et moi j'en ai marre, j'aimerais bien qu'on ait des vrais decks aggro dans le standard. Voilà. Rap God. En fait, t'as importé le deck de ton presse-papier, puis t'as exporté ce dernier. Attends, ouais, je vais vérifier, peut-être que t'as raison. Tac, 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 tac. Ouais, alors attends, ouais, t'as raison. Je vais lui réexporter la bonne. Du coup, petit pois, c'est la deuxième. Voilà. Hop! Je vais mettre un petit smiley entre les deux decklists pour que tu puisses les différencier. Et voilà, c'est la deuxième liste du coup qui est améliorée. Écoute, Avacine, tu veux. T'as des points viewers à dépenser pour faire une decklist viewer? Les temples, ça me dégoûte. Ouais, bah pareil. Bah, il a un peu raison, Arias. Hein, je suis un peu de l'avis de TI. Hein, sur la plupart des bonnes cartes qui sont éditées dans M21, c'est en rendez-vous en septembre. Mais par contre, ça, qu'importe à quel point notre standard est puissant, c'est toujours comme ça. Je veux dire, même quand le standard était pas très bien. Il y a beaucoup de cartes de corset qui seront jouables qu'à la rentrée. C'est toujours comme ça. Alors ça, pour le coup, c'est pas un problème dû à notre standard actuel. C'est le problème des corsets qui se révèlent être meilleurs quand à la rotation, il y a que 4 extensions plus le corset plutôt que dans un standard qui est power avec 7 extensions, quoi. Enfin, rendez-vous en septembre, on le dit depuis 10 ans, quoi. Donc, j'exagère, mais vous avez compris l'idée, quoi. Bah écoute, Avacine, je te laisse payer tes points et m'envoyer une decklist au format Export Arena en français par Discord. Voilà. Écoute, avec plaisir, chalutier. Ouais, et encore que Veil of Summer, Arias, si on est tout à fait honnête, je crois que Veil of Summer n'a été joué qu'à la rentrée. Hein. Elle n'a pas été jouée pendant l'été. Parce que pendant l'été, c'était les deux tiers du format, c'était Vampyr et Golos Field. Enfin, plutôt Golos Scapeshift. Et je t'assure, Veil of Summer était pas pris en compte dans ce format-là. Donc pour Veil of Summer, on s'est effectivement dit rendez-vous en septembre. Puis Kétis, ouais. C'est vrai qu'on avait Kétis aussi. Mais Veil était. Non, Veil était pas joué. Veil, c'est devenu une carte à l'époque où Oko a brillé. Veux-tu tester cette liste?
Ah, mais le petit acacia est présent du coup. Et le petit acacia, t'étais parti tout à l'heure, donc la récompense n'est plus disponible. Ah. T'es sur le chat, le petit acacia? Parce que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, enfin tout à l'heure, quand on a eu fini avec Senjur Baron, j'ai dit que c'était ton tour parce que t'étais le deuxième. Mais t'étais plus là, du coup, je suis passé à quelqu'un d'autre. Et effectivement, Avacine, je suis désolé, mais j'avais promis au petit acacia de m'occuper de sa liste en deuxième. Donc si t'es là, y a pas de souci. Mais si t'es là, vas-y, je te laisse payer les points et let's go, quoi. On peut pas dépenser les points de chaîne. Ah, peut-être que PL a nerfé à une fois par stream. Tu sais pourquoi, Dingue, si t'es dans le chat? Pourquoi ils peuvent pas dépenser les 20 000? Y a pas de problème, le petit acacia. Je me doutais que tu devais être parti faire un truc. Si vous savez, Didas ou quoi, attends, je peux peut-être aller voir moi. Le problème, c'est que je maîtrise très très mal. Vous savez que moi et la technologie, moi et la technique, c'est dramatique. En vrai, c'est vrai que je m'y penche pas parce qu'avec PL, on se répartit plutôt bien les tâches. Et donc, du coup, il a son bail et j'ai mon bail. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément besoin de m'y pencher en fait. Et du coup, bah, quand ça m'arrive en plein stream et que c'est à moi de gérer la tech, je suis toujours un peu du père. En effet, c'est noté rupture de stock. PL, il a nerfé le petit acacia. Je vais regarder. Je vais regarder si on n'a pas configuré la dépense. Des points de chaîne bridés à une fois par stream, ce qui serait pas impossible. Le mec, il a nerfé ses points de chaîne, le petit malin, quoi. Ouais, bien sûr, je me doute, Didas. Je me doute que t'as pas la main. Je vais regarder ça. Alors. Où est-ce qu'on gère les points de chaîne? Je check ça dans le tableau. Tu sais quoi? Je t'avoue que je sais pas où est-ce qu'on gère les points de chaîne, malheureusement. Là, je suis dans le tableau des créateurs et j'ai pas l'onglet. Je pense que c'est un truc que je ne maîtrise pas. Donc, ce qu'on va faire, le petit acacia, c'est que tu vas m'envoyer ta DL et tu payeras tes points de chaîne une autre fois. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Non, mais ça va, on va pas se rendre fou, les gars. On s'en cague. De toute façon, les points de chaîne, tout le monde en aura et tout le monde pourra les dépenser. Comme je l'ai dit, c'est pas dès que vous en avez, vous les dépensez et le streamer arrête ce qu'il est en train de faire. C'est. On choisit, on définit que ce stream est dédié aux points de chaîne et du coup, vous les utilisez. Et voilà, c'est faire. C'est cool comme ça pour ma part. Donc, vas-y, let's go, le petit acacia. Tu m'envoies une decklist, celle que tu veux que je teste. Je l'ouvre, je donne un avis théorique dessus, on parle à jouer sans la modifier, et après, entre mon avis théorique plus la petite pratique que j'aurai avec, je te propose des améliorations. Déjà envoyé sur Discord au format MTGA. Ah oui, c'est celle que tu m'as envoyée hier. Ok, bah vas-y, j'emporte ça et let's go. Donc du coup c'est un deck discard avec un sous-thème rat. Vas-y, je suis chaud. On va tester ça. Non. Non, c'est pas ça, j'ai fait de la merde. Nice. Ah, par contre, tu me fais crafter des. Oh non, t'abuses. Oh non! Oh non, t'abuses. Je suis obligé de crafter ce hunter? Oh non, tu vas pas me faire crafter une mythique particulière quand même. Je veux pas être véhément sur la mythique, mais. Le deck de petits pois était grave cool, Neltrant. Il était plutôt bien. Je pense qu'il y avait juste eu un problème de mana et de certains accélérateurs qui n'étaient pas présents, mais sinon, dans l'ensemble,
le fait que tu aies beaucoup de TB avec Yarok et des trucs comme Command the Dreadhorde, c'était plutôt bien, ouais. Bah, il est cool ton deck, mais je crois qu'il va finir comme ça, à mon avis, hein. On est d'accord, hein. Franchement, on va faire comme ça. Ça vous va ou pas? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Attends, déjà, il y a combien de mana? 24. Ouais, ce deck-là, il a besoin de 25 landes, je pense. Ça vous va ou pas? On reste comme ça? Donc ça, c'est deck Acacia. On n'a rien vu, les gars. On n'a rien vu. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, ce paquet? Ce paquet, déjà, il a une curve qui est décente. On attend. Ouais, on a une belle curve, une piste noire de ski, j'aime bien. Donc, pas mal de tours 2, des tours 3, quelques tours 4 et du haut de curve. Plutôt sympa. On a le flûteur des rats qu'on n'a jamais testé, alors que la carte doit avoir un potentiel pour grind les games. Ça doit être assez sympa, je pense. Racambrioleur, ça j'ai joué ça il y a X temps, c'est une bonne carte. Nous, ça s'appelait Ravoras à l'époque, mais ça fait la même chose. Pakrat, on sait à quel point c'est puissant si c'est curvé tour 2. Rien n'est jamais gâché. Bah voilà, en 2015, en Magic 2015, j'ai déjà connu la carte. On a un Régisor. Je sais pas pourquoi il y a ce random Régisor. Je pense qu'il a pas trop de sens ici. Cauchemar d'Espeth, je comprends. Mèche, c'est plutôt x4 ou 0. C'est un peu bizarre d'avoir deux mèches. Donc ça, c'est un truc qui fait se défausser et qui en plus met des points. Ok, ça permet de faire des fossés à fond. Ah ouais, mais du coup, on est en historique, quoi. Ah ouais, on risque d'avoir un peu mal, quoi. What? Ah ouais, après ça, il t'a un plan de jeu transformer le rat. Ah, j'aime bien, c'est très rigolo. Ah, c'est très rigolo, ok. Ok, t'as un plan de jeu des fausses et après ça, il t'a un plan de jeu tribal rat. Alors écoute, je vais pas m'exprimer sur la compétitivité du jeu. Je pense que toi-même, tu n'es pas leurré. Par contre, sur le plan de jeu transformer le rat, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, je pense que c'est assez rigolo. Donc why not? Non, il n'y a pas le sceptre hypnotiseur, alors que c'est vrai que le sceptre hypnotiseur, pardon, il ferait bien le taf ici. Le spectre, pardon, hypnotiseur, ouais, je suis d'accord. Bon, écoute, on va tester ton deck et puis je ferai des améliorations après coup. Historique, pas avec classement, non. Est-ce que je peux pas jouer en Q en historique normal? On peut même aller en historique remanié, je pense, hein. Bah c'est bien, ton deck, lui, il est bon. C'est bon, nickel. Et il rentre dans les normes de l'historique remanié, donc comme ça, on affrontera des gens un peu plus permissifs, c'est cool. Ah, mais si je vais d'en jouer tout court, ça sera pas en BO3 Kalunobo, alors que lui, il a un plan de jeu transformel, donc c'est sympa. Ah, mais là, je suis pas en BO3 non plus. Ah ouais, mais du coup, on n'aura pas le plan de jeu transformel, c'est dommage. Dans la queue pour le BO3. Ouais, mais je veux pas aller sur le ladder en fait. Ok, let's go. Ouais, il fait partie de l'anthologie, bien sûr, le petit acacia. Ouais. Ok, ça va être un peu complexe du coup. N'y a pas d'historique BO3 hors ladder. Oh, bah, je vais pas aller tester en classé, hein. Tu m'en voudras pas, le petit acacia. Ah, mais tu dois pouvoir le faire en événement, je pense. Si, il doit y avoir de l'event BO3, ça me dérange pas de payer 1000 gold.
quoi le meilleur classement que t'es fait en standard? Classement quoi? Classement de ladder? Isoka MTG? Isoka. Ou la meilleure performance? Meilleure performance doit être top 8 du Red Bull Challenge de l'an dernier. Pas beaucoup de performance à mon actif. T'en es où Val de ton ladder? Je dois être diamant 3 je crois. Pas très haut. En ladder MTG, je sais pas, je suis monté top 40, truc comme ça. Top 40 du ladder. Mais si tu demandes le score à la fin du mois, mon meilleur score, ça doit être dans les 200 ou 300, je crois. En fait, moi, j'essaye pas de grinder le top 1 à chaque fois, je sécurise ma place, moi. Tu vois, genre, je monte top 100, top 200, 3-4 jours avant, et après, je touche plus. Donc, du coup, je monte jamais top 10, top 8, top 6. Ok. On va aller péter la prêtresse, hein. Salut, mode raid. Non mais t'inquiète, le petit acacia là, c'est plus simple. Si je dois tester contre des viewers et tout, ça nécessite du coup de choisir un viewer. Enfin, c'est pas très fluide, tu vois, la mise en place. Pourquoi certains ont un pourcentage en mythique alors que d'autres ont un rang chiffré? Alors en fait, ce qui se passe quand t'es mythique, c'est que tu es top 1200, donc de 1200 à top 1, ou alors t'as un rang chiffré qui sous-entend que plus tu gagnes, t'as un rang en pourcentage, pardon, alors que d'autres ont des rangs chiffrés. Plus tu t'approches du 100%, plus tu rentres dans le top 1500, qui eux ont un rang chiffré hors pourcentage. Donc ça va du top 1, donc du meilleur joueur du ladder, jusqu'au 1500e. Et au 1500e, au lieu d'être en top 1600, top 2000, top 3000, tu passes en pourcentage, donc 99%, et là ça va dégressif et tu peux tomber jusqu'à, moi je suis tombé jusqu'à 84% un jour. Donc voilà, c'est pour pas donner, j'imagine, le nombre de joueurs mythiques tous les mois sur le ladder. J'imagine que ça leur permet de cacher ce nombre-là en fait. Bah écoute, on va jouer pillage histoire d'être mana efficient. Ah ouais, d'accord, ok, intéressant Arias. Bah, tu vois, moi je suis descendu 84%. J'ai vu un mythique 52%, waouh. Mais tu vois, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir le nombre de mecs qui font mythique tous les mois. Et en fait, avec le pourcentage, bah tu peux pas le savoir. On a une idée du nombre de mythiques sur une fin de mois? Bah franchement, gros goré, moi, si je devais donner un chiffre, tu vois, genre, si on était au juste prix et que je devais donner un chiffre complètement au hasard, je te dirais genre 4000. Ouais, 4000. Je pense, tous les mois, il y a 4000 mecs qui font mythique, j'imagine. Mais j'ai rien pour argumenter, quoi, j'en sais rien, en fait. Ouais, je joue machinalement et du coup je joue mal, excuse-moi le petit acacia, j'aurais pas dû donner mon pacrate là, désolé. T'es plus vers 10 000? Non, y a pas 10 000 mythiques tous les mois, Arias, non, je pense pas. Vous savez ce que ça fait 4 000 l'Hermina? Non, justement, les cartes, les stats, elles sont un peu gardées, Rilak. Ah, je suis pas sûr qu'on soit sur 10 000, Arias. Peut-être qu'on est sur plus de 4 000 et que la vérité, elle est entre nous deux, mais... 10 000, ça me paraît gros, quand même. Ouais, on a perdu. Je vais aller en événement, du coup, pour tester en 2-3. Non, ça veut pas dire que tu fais partie du top 84% de tous les joueurs, non, pas du tout. C'est juste que t'es à 84% et qu'il faut que tu montes jusqu'à 100% pour atteindre le top 1500 des joueurs. Hmm.
On va partir de historique remanié. Et on va aller du coup en événement historique traditionnel. Voilà. Et là, on va payer 190 pièces. Non, le nombre total de joueurs n'est pas communiqué non plus. Ouais, exactement, Kalinobo, mais là, t'as un plan de jeu, c'est qu'en fait, quand le mec plus des fossiles, il est censé prendre des pèves. Donc, faut voir. On sait pas, Spark Dragon, visiblement, Creep Hunter a full concept pendant une heure, il est tombé 52%. Donc j'imagine que le plus bas rang, c'est autour des 50%. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était en dessous des... Ah, je crois que moi, le plus bas que j'ai rencontré, c'est quoi? 80%, un truc comme ça? Pas plus bas. Ok, c'est une bonne main, ça. Quoique, j'ai pas besoin de prendre l'info tour, hein. Putain, j'ai pas activé Cardboard Live, les gars. Vous m'avez pas dit. J'y ai pas pensé. Ah, pas crate sur le play, c'est quand même mieux que toutes les défausses du monde, je crois. Hein. Non, mais tous les streamers sont pas mythiques, Maître Jinx, c'est pas vrai. Genre, tu peux pas prendre ça en compte, Maître Jinx. Il y a plus de streamers pas mythiques que de streamers mythiques. Hein. On a plus le droit aux musiques Grogoré. Il y a eu une application de la loi Twitch. En fait, Twitch, avant, interdisait déjà les musiques sur les rediffs. Le problème, c'est que c'était pas appliqué. Et là, il y a eu une communication. On a dû supprimer toutes les rediffs de notre chaîne, tous les clips de notre chaîne. Et si ce ne sont pas tes musiques ou qu'elles ne sont pas libres de droit, tu n'as plus le droit de mettre les musiques sous peine de te faire littéralement bannir la chaîne. Et je ne prendrai jamais ce risque-là. Trop important notre chaîne avec PL. Ouais, et puis il y a plus de joueurs pas streamers aussi, effectivement. Alors, c'est un peu horrible ce qui est en train de se passer. Vous savez pourquoi? Parce que je vais faire défausser des cartes à un mec qui va en piocher une par tour. C'est un peu complexe, quoi, du coup. Sur le ping. Salut, Oumpaf. Ouais, à votre équipe, vous prenez un, c'est ça. En vrai, dans ce plan de jeu, on aimerait bien avoir des arènes Phyrexianes, nous aussi. Hein. Ouais, je pense qu'il nous faut aussi des arènes Phyrexianes. Ah! Ça va être un peu complexe, cette histoire. Je sais pas s'il y a des castles noirs, Arias. Faudra aller retravailler la liste tout à l'heure. Il va nous enlever le spectre. Legit. Après, s'il attaque, on gagne la course. Donc, fine. Hein. Je
Je te remercie, Furbiz, ouais. Je me suis pas encore renseigné sur des musiques libres de droit. Moi, ce que j'aimais surtout, c'était l'OST des animés. Je trouvais que ça se prêtait super bien à des moments un peu tendus, des moments un peu de joie, des moments un peu. Je sais pas, je trouve que ça embellit bien les moments. Et du coup, en ce moment, je suis juste un peu chafouin en mode. Bah, je suis un peu déçu, plus de musique. Ok, pas de soucis, il n'y a plus de musique, les gars. Voilà. Ah ouais, vous voulez le jouer comme ça, Twitch? Bah, il n'y a pas de problème, on mettra plus de musique. Tu vois, je suis un peu con, en fait, tu vois. Genre, tu sais, le mec qui boude. Du coup, on lui dit non, mais tu peux quand même écouter des trucs sympas, il y a quand même de la musique libre de. Non, 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 vous m'avez interdit la musique, pas de souci, on verra bien qui rira le dernier. Et c'est Twitch qui va rire le dernier, en fait. Je suis juste con, mais ouais. Du coup, pour l'instant, je suis un peu en mode bah, ok, pas de musique, tu vois. Ouais, c'est le deck du petit Acacia, c'est pas mon deck. Si, maintenant, toutes les rediffs, elles restent parce qu'on met pas de musique, mais toutes les anciennes rediffs, tout a été supprimé et détruit. Tout. C'est plutôt vrai, Wumpaf, ça dépend des périodes. Ah, c'est méchant ça. Ça dépend des périodes. Des fois, le ladder historique est effectivement plus permissif que le ladder standard, mais vraiment ça dépend. Oh non! Je vais être obligé de bloquer du coup. Relou lui. Ah mais ça piétine en plus. Oh con, j'ai failli mourir. Ouah, con, j'ai failli mourir le con. Ah, je suis mort. Putain! Ah mais non, mais on est morts tous les deux! Mais qu'est-ce qui se passe du coup? Pardon? Quoi? Mais qui a gagné du coup? Égalité. Mais quoi? Mais quoi? Ça existe ça? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Ah, je lui fais le plan de Jorah là derrière. Ah, y a pas de souci. Partie normale, c'est pas égalité, c'est double défaite. Bah ouais, pourquoi est-ce qu'on a. Je comprends pas, ça n'arrive pas ça normalement. Non, mais moi j'aurais dû bloquer avec les 2-2-2, je suis con en fait. J'ai pas vu que ça piétinait. Ah, c'est juste pour tester, Kalinobo, hein. Là, c'est pour faire honneur au deck de Petit Acacia qui a un plan de jeu transformer le rat et bah on se marre quoi. Effectivement, je sais pas si c'est. Mais de toute façon, si je voulais gagner l'event, je jouerais probablement pas des fausses rats, tu vois. C'est parce que c'est sympa. C'est rigolo. Plus que pertinent, quoi. Ouais, mais c'est double défaite, Arias. C'est pas double. Normalement, on aurait tous les deux dû avoir la cage causée. La cage causée. La case cochée, pardon. Putain, je deviens dingue. Excusez-moi. C'est double défaite, donc point pour personne. Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais mis justement, du coup, victoire pour les deux. Un peu bizarre, du coup. Mais peut-être que je me trompe. Non, non, victoire pour personne en GP, si à égalité, tu recommences avec 0 victoire et pas 1. Ok, d'accord, ok Arias. Et du coup, tu peux. Comment dire? Et là, cette victoire-là, elle est décisive ou faut continuer du coup? En fait, tu peux jouer 5 matchs du coup?
Donc si t'as le temps, tu fais 4 games. Ah d'accord, ok, bah écoute, incroyable, je l'ignorais. Ça va nous défoncer, ça. Ouais. Ça, on aurait dû l'enlever, du coup, je suis con. Quoique, en fait, quand t'attaques avec plein de rats, c'est pas mal. Je vais aller croquer ça. Ouais, il y a pas mal de trucs à revoir dans la liste, mais c'était rigolo, quoi. Oh. Churlupeng, salut. Ouais, c'est un peu ça, Iron Scorpio. Qu'est-ce qu'on défausse? Nichedra, je crois. Pour l'instant, ça fait pas rêver. Ah ouais, non, mais là, il va nous défoncer, là. En fait, on bat pas à Renphyrexian, donc. Ah, j'avoue, tu nous divertis pas mal, là, le petit Agacia. Mais le problème, c'est que là, on se fait défoncer, genre de manière très clean. Pas mort s'il paye. Hop là. Ah ouais, c'est très grave, Arias, ouais. C'est très très grave. Genre jouer tout seul, j'ai un collègue qui le fait et je me moque de lui depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'il se met vraiment, genre il met ses deux decks comme ça devant lui et il prend les décisions, tu vois. Alors qu'en fait, tu sais ce que le mec en face a. Donc du coup, si, ne serait-ce que s'il joue des contre-sorts, t'es là en mode, est-ce que je le contre ce sort-là ou pas? Est-ce que je le contre ou pas? Et bah, c'est ridicule, t'es forcément orienté, tu vas forcément donner la victoire à un des deux decks. Mais ouais, j'ai un collègue qui fait ça et je me moque de lui, quoi. Donc du coup, je te juge, Arias, là, en ce moment même. Par contre, si tu goldfish en faisant des sorties juste pour voir comment ton deck sort, ça va. Ça va. Comme un bon joueur de Storm, exactement. Bon, allez, des os, passez à la prochaine. J'ai fait exactement pareil, mais je vous juge, les gars. Tu peux pas jouer à Magic en ayant les tenants et les aboutissants des deux mains, c'est pas possible. Ça, c'est l'exercice des casters, tu vois. Ah non, mais il a le droit de s'amuser. Effectivement, s'il s'amuse, c'est très très bien. Mais j'ai le droit, moi, d'émettre un jugement. Oui, mais je gagnais pas Polo à terme. Je faisais ça quand j'étais petit. Ah, on a tous fait ça. Moi, je jouais au téléphone avec mes copains quand j'étais petit. Au téléphone. Genre c'est pour vous dire, fallait se faire confiance quoi. Il va m'enlever Nichedra ou Wasnot ou Cauchemar d'Elspeth. On fait une bonne sortie là. Bah parce que en fait vide Zalfirien c'est une prise d'information. Et quoi qu'il advienne mon tour 2 ça va être Nichedra.
Donc je peux juste remettre à plus tard la prise d'information puisque je sais déjà quels vont être mes prochains tours. Donc j'attends que ma main se sculpte un peu. Comme j'ai mes early plays qui sont déjà définis et que le terrain n'arrive pas en jeu engagé, bah, j'ai aucun intérêt à prendre de l'information maintenant. Autant attendre de voir ce qui se passe un peu dans la game, quoi. Je remets juste à plus tard l'information en faisant ça. Bon, je peux garder, c'est pas mal, hein. Ouais, il y aura un Rossez-vous cette semaine, Isoka MTG, bien sûr. C'est pas mal ce qu'on fait, hein. Ah, je comprends, c'est très amusant ça aussi, Arias, ouais. Ah bah pareil, hein. Elskan, les decks de cours de récré, il n'y avait vraiment pas de synergie. Tu empilais les cartes que tu avais réussi à échanger et ça s'arrêtait là, quoi. Et là, Vraskontid. Oui, Polo Aspico, bien sûr que Vraskontid, mais il n'est pas obligé d'avoir Vras. Tu vois? Du coup, je serais pas obligé de Contid. Allez, vas-y, me rope pas là, Walletron. Walletron, c'est genre un étron de baleine du coup. Et ça va pas suffire, poto, hein, ce que tu fais là. GG. Let's go, on repart avec les mêmes. Et ils vont être contents tes potes demain quand tu vas leur faire Narset avec des effets de wheel, ouais. Ils vont adorer Arya, je pense. Tu vas les régaler, quoi. Keep. Keep. EDH, Elder Dragon Highlander Flying Bobal. Nous on appelle ça le DC en France, le Duel Commander. Et sinon, EDH Multi. Parce qu'à la base, quand ça a été créé, c'était un format créé par les arbitres, ils jouaient avec les Elder Dragons en fait. Nicole Bolas, Arcades, mais les anciens. Les tout vieux, tout pas beaux. Je sais que DH c'est pas Duel Commander, mais nous en France on a décidé que. Voilà. Ouais, tu vas prendre tes points, c'est sûr, je le sais. Fais pas genre tu vas bloquer. Y a aucun monde où tu bloques. Oh, il joue ça quoi? Ok. Je suis pas d'accord, Arya, c'est un duel commander, moi j'en ai beaucoup fait, c'était incroyable. Mais le jeu est pas mort, hein. Franchement, bah, il est plus aussi bien que ce qu'il était à l'époque, mais je crois que mort était un bien grand mot, hein. Ah ouais, t'es ambitieux, toi. Par contre, triple West Note quand on a sorti nos défauts, ça va 2 secondes. Ah, le duel commander, c'est trop bien.
Et alors, Arias, genre, ça te peine, toi, qu'on ait essayé de faire un format compétitif à partir d'un format fun? Tu vas vraiment me faire croire que ça t'embête? Non, parce qu'effectivement, l'EDH, c'est un format très très fun, un peu politique, en mode jeu de société, et c'est très sympa pour égayer les soirées. Mais qu'on ait pris ce format-là et qu'on ait essayé de le rendre compétitif, c'est vraiment un problème? Vraiment? Je crois pas, hein. Je crois que du moment que tout le monde y trouve son compte, c'est cool. Ah, si tu galères à trouver des events EDH multi, je te rassure, en GP, il n'y a que ça. Bah, dans le spot où on était tout à l'heure, on ne gagnait pas contre Arène. Mais là, dans le spot où il avait déjà une main pleine et que notre seul plan de jeu, c'est d'aller au bout avec nos petits rats, il fallait enlever l'anti-bet. Les gars, Magic, c'est une histoire de contexte. C'est pas juste une carte est supérieure à une autre. Une carte qui est supérieure dans un spot A, elle est inférieure dans un spot B. Enfin, il a aussi le droit de revoir son jugement sur les cartes en fonction du spot dans lequel on se trouve, quand même, pour le coup. Là, c'est pas Aren Phyrexian qui nous fait perdre, c'est son board en fait. Il n'y a pas beaucoup de deck Clover, ils ont quand même TG non en ce moment. Les petits pois, c'est un sous-légume. Ah ouais. Sur une défausse, je come back. Ouais, je suis pas sûr. Le petit pois qui est déçu. Il attaque avec les deux, il laisse passer, il a un, il me tue au comeback. J'ai rien à défausser sur rat d'émeute. Ouais, on a perdu là. Il peut juste attaquer avec Turlupin et nous faire payer un PEV. On va espérer qu'il fasse de la merde. Genre qu'il double bloque et je pose un bloqueur pour oblitérateur. Ça suffit même pas, il nous met 4 piles. Suis désolé le petit acacia, j'ai pas fait honneur. J'ai pas fait honneur au plan transformer le rat, mais c'est pas grave, on s'est bien marré quand même. C'était cool. Je pense que ce plan de jeu, il est plus rigolo qu'efficace, pour le coup. Non, on va abandonner. Hop là, et je vais juste te proposer des améliorations dans le plan de jeu des fausses, pour le coup. Putain, il y a ma chaise qui s'est pris dans le micro. Ah, ça va mieux. Alors ça, c'est pas bien. Déjà. Ça, on s'en cague. Ça, il n'y a pas de sens. Ouais, je pense que le sous t'aimera. Je te fais ce que moi, je proposerai, hein. On veut combien? On veut 25 landes dans ce deck? Ouais, probablement. Il faut 4 châteaux de Loctwain. Et du coup, si on veut 4 châteaux de Loctwain, on peut pas avoir ces cartes-là. 19, 23, 24. Peut-être que 24 suffisent. On veut Arène. Phyrexian. On veut Spectre. Hypnotiseur. J'aime bien ça, ça se met sur les volantes comme ça et tout, c'est pas mal. Hein. Sillage, c'est ok aussi. Je pense que Cauchemar d'Elspeth, on n'y est pas non plus. Peut-être qu'on veut juste maximiser les effets des fausses. Ça coûte quand même 4 à muter l'autre truc, donc c'est un peu vénère.
Non, là, je maximise juste le plan de jeu des fosses, en fait. Genre, Mesh. Davriel, ce serait plus une carte de side. Je m'occupe pas du side, hein. Le side plan de jeu transforme Elra. Il est rigolo, mais il faudrait faire un side adapté si tu veux jouer vraiment full des fosses. Pacrat, c'est quand même vraiment pas mal avec West Note et Racambrioleur, c'est cool. Je pense que du coup, tu veux des Guetteurs Palustres, en fait, qui est vraiment un des meilleurs défausseurs à deux. Et Davriel, tu le voudrais plutôt de side. Ouais, Turlupin, c'est sweet. Hein. Peut-être que ça, c'est trop mignon et qu'on préférait des Turlupins, je suis d'accord. Turlupeng. Ouais, un truc comme ça. C'est pas le mot-clé par contre, Getter. Ouais, mais c'est pas grave, du coup, on a enlevé les cartes qui triggeraient sur le mot-clé. Alors, ouais, ça marche pas pour rien n'est jamais gâché, mais c'est pas très grave, je pense. Même si ça trigger pas, Palustre, le but c'est quand même de vider la main de ton adversaire, et ça, Getter, il le fait bien, tout en mettant une cloque en late game. Donc là, je te parle pour rendre le deck un peu plus compétitif, ça sera moins drôle que le plan de jeu aura. Mais si tu veux avoir un plan de jeu défausse qui marchouille un peu vraiment de manière efficace, là voilà, je te propose un truc un peu plus lisse, quoi, un peu plus carré. Non, je pense pas qu'il faille d'oblitérateur. Pas dans ce plan de jeu en tout cas. Si je devais m'attaquer au side, je te proposerais ça. Parce que du coup là, le side, il y avait quand même des cartes genre Lotus de Nyx. Je vois pas trop à quoi ça servait malheureusement. Je te proposerais du coup d'avoir des Davriel pour les plans de jeu contrôle, les plans de jeu où il n'y a pas de créature en face et du coup où ton Davriel va pouvoir aller au bout. Je te proposerais du coup d'avoir des marécages de Bojuka, au moins un. Je te proposerais d'avoir des anti-bêtes en fait, des actes. Des anti-bêtes un peu plus ciblés, effectifs que cavalières. Peut-être 3. Je te proposerais d'avoir des duresses, tout simplement. Des contraintes. Contre les match-up combo contrôle. C'est du grossier, hein. C'est du rapido. Hein. Après, tout doit s'affiner. Hein. Mais très grossièrement, je te proposerais un truc comme ça. Qu'est-ce que je voudrais d'autre? Peut-être juste des lanternes, hein, contre les plans de jeu bridge qui tournent un peu en qui tournent un peu dans le format. Et oblitérateur contre aggro, c'est pas dégueu, je suis d'accord. Ça rentre pas dans le plan de jeu des fosses, mais ça rentre dans le plan de jeu d'avoir juste un bon deck mono noir. Hein. Après, est-ce qu'il y a pas mieux? I take the duress, grave. Ah, Grasp, c'est bien, hein. Contre les decks grûles et tout, c'est vraiment pas mal quand même. Grasp, c'est vrai que c'est pas mal, je suis d'accord. On aurait plus un truc comme ça en fait. Avec des contraintes et des Davriel contre les decks contrôle, des actes et des Grasp contre les decks aggro, des lanternes pour les decks cimetière avec marécage, et après notre main deck, c'est ça. Et là, tu vois, t'as un deck qui est bah, probablement moins fun parce que. Bah parce que tu joues plus le side, le plan de jeu transforme Elra et l'espèce de mix, l'espèce de crossover entre la défausse et le fait que ça synergise avec certaines cartes de rat. Mais t'as un deck qui est un peu plus solide, un peu plus redondant, qui va un petit peu plus faire tout le temps la même chose et qui va probablement, je l'imagine, gagner un peu plus de game à terme. Voilà. Moi, je te propose ça. Je t'exporte la liste, t'en fais ce que t'en veux. Et c'est cool quoi, et merci du coup d'avoir participé, de nous avoir présenté ton deck, c'était très rigolo. Le plan de jeu transforme Elra a été au bout une fois, donc je suis satisfait, c'était cool. Le deck est un bail pour Monored. Ouais, mais c'est pas très grave. Genre, tu peux être un bail pour un deck et essayer de gagner les autres decks, c'est pas dramatique. Hop! C'est bon, cardboard live il est actif. Ok, du coup il y avait Avacine qui voulait nous proposer un deck. Je suis chaud Avacine, je te laisse faire ta propale. Est-ce que tu peux dépenser les points de chaîne ou toujours pas? Ouais, c'était cool les decks d'aujourd'hui, carrément.
Je sais pas s'il est toujours là, Vassine. Si Vassine n'est plus là, je vais juste partir sur le ladder Pépouze. Un spell Onisai. Non, je teste pas que des decks histo, je teste ce que les viewers veulent que je teste. Pour le coup, il n'y a pas de. Et là, du coup, c'était au tour de Avacyn, s'il est toujours là, mais c'est probable qu'il soit parti. Ce serait pas impossible. On peut toujours pas payer. Mais ça, c'est pas grave, tu vois, je le mets sur la note, quoi. Je fais une avance. Genre, je sais que le petit Acacia et Avacyn, ils devront payer leurs 20 000 points de chaîne à un autre moment. Et je demanderai à PL pourquoi c'était bloqué sur une fois par stream. Petite question, l'import ne fonctionne pas si le nom est en anglais. C'est simple, si les noms sont en anglais, faut que tu passes ton jeu en anglais. Si les noms sont en français, faut que tu passes ton jeu en français. C'est aussi simple que ça, quoi. Du coup, ce qu'on fait, je reviens dans 2 minutes, je vais faire un petit pipi aux toilettes. Et quand je reviens, si Avacyn n'est pas là, on part en ladder. Allez, à tout de suite. Hop là, salut les loulous. Ok. Il n'y a plus d'Harry Builder. Non, Deadly Sins, parce qu'à chaque fois on refusait, ça prend trop de temps, ça polarise toute la temps, enfin tout le temps sur un seul live, et en plus les gens préfèrent qu'on soit à deux. Donc du coup, non, on a enlevé l'Harry Builder, en fait on le faisait quasiment jamais, quoi. Bon, bah écoutez, je vais partir sur petite game de ladder, la Pépoudi. Il y a un Sultai qui a été tweeté, qui s'est qualifié au LCQ, qui avait l'air plutôt pas mal. Je vais vous faire les modifications live parce qu'elles étaient sweet. Tac, tac. Elles étaient bien bien sweet ces modifs. Au mec. Alors, je sais pas s'il y avait des Narset, cela dit. Par contre, il y avait Wilt. Ça s'appelle comment? C'est Flétrissure, je crois. Ouais, Flétrissure. Ça, c'était grave cool. C'est un mec qui s'est qualifié en LCQ. C'est pas exactement sa liste, là. Je l'ai plus de tête exacte, mais. Mais c'était grave cool, sa liste. On va faire 3K, 3 cry, 3 cri, 2 défigures. 23, 10, 19. On pourrait même avoir un marais de moins et. Non, je crois qu'on va rester à deux partout.
À la base, le mec avec deux flétris sur main deck. Je pense quand même que c'est un peu véhément et que pour du ladder, on n'a pas besoin d'en avoir deux. Mais c'est vrai que lui, s'il rencontrait que du Temurek dans les LCQ, c'était grave intéressant. Il avait quand même le plan de jeu Typhon de requin que nous, on avait décidé d'enlever. Enfin, que j'avais décidé d'enlever, pardon. Mais c'est vrai qu'au final, c'est quand même pas trop mal. Ouais, je vais tester comme ça. Let's go. Sultai! Eh ouais, Sultai, les gars. Let's go. C'était plus pour exprimer l'idée que qu'en fait on était sur un retour à la méta Terro Sylvain 962 après les bans. Pas la Triss, c'est pas un Sultai. Ah, la Triss, c'est pas une carte de Sultai déjà, une carte d'Ymir. Et c'est pas très bien en fait. Moi je le dis depuis le début et ça se confirme. Les gens jouent pas ça dans Sultai. Bon, on va garder. Oula, Mulligan 5, ça c'est bon pour nous ça. Ok, ça a l'air d'être éclat. Je vais passer ma spirale du coup. Ah ouais, c'est vrai Enzo. Bah écoute, ça régale. Ça régale. Et alors, c'était fort? Il y a un mec qui... le mec qui jouait ça, il t'a fait du mal ou pas? Faut absolument que je trouve un land. Là, je peux pas être en retard de land. Je crois qu'il faut que je chatte un land, non? C'est un peu ça l'idée. Ouais, vas-y, on chatte un land. On prend dispute. Ouais. Sinon le mec en Mulligan 5, il a quand même ouais, il a spirale réclamation contre avec tous les manas. Mulligan 5. Ah, quand je vous dis que les mecs sont bons hein, mais eux ils sont vraiment très très bons. Voilà. Allez, bottom 2 encore. Bottom 2. Allez, bottom 2, s'il te plaît. Comme ça, tu te prends victime et ça dégage. Ah. Oh putain. Je dis bottom 2, le mec il fait. Il laisse 2 on top quoi. Ouais, à mon avis là on se prend. Explosion. Oh, sur 10 cartes quoi. Sur 10 cartes il a tous les lands, la spirale, le contre et le reboisement. Bon, après il a scry 2 mais. Ah, ça va en fait. Ah, j'ai été médisant. Je croyais qu'il avait. Je croyais qu'il avait explos. Bon, faut que ça résolve, hein. Y a pas le choix. Aïe 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 aïe, ça sent pas bon. Ouais. Ah, des fois ça se passe comme ça, Mosuke. Hein. Bon, là ça se passe pas comme ça pour Monopo, mais. Deux en dessous. Bon, on leur propose la même. Ouais, parfait.
Ouais, le mec a tout, mais moi j'étais un peu pareil quand même. Il a tout pour une main à 5, du coup ce qui se passe c'est qu'on fait match, mais s'il avait eu la même chose avec une main à 7, on serait mort en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que on joue une game vraiment à niveau équivalent parce qu'il a mulligan 5. Ouais, Shark in tout contre, c'était assez vénère. Après là maintenant il pioche plus rien donc. Donc là on est plutôt pas mal, on va lui opposer le lock Narset déjà, ça c'est un premier lock. Je crois que t'as mieux, on n'en a pas besoin. Il pourrait explos sur Narset. Et on pourrait dire non. Je pense que c'est pas très grave. Bon. C'est bien passé, tant mieux. Dispute. 4 disto. Pas de ça, pas de Tamio, je pense. Flétrissure en garde. Comme ça. Hein. Ok, feu. Ouais, après, il a luck Shark in tout contre, mais après, il a top deck de land d'affilée. Donc, bon, ça c'est un peu équilibré, quoi. Ouais, si t'arrives à poser Shark Typhon, c'est vrai qu'il a pas moyen de le gérer en réclamation, je suis d'accord. C'est vrai, Torino. Après, nous, on a le plan de jeu Frog Distortion, là, qui va juste faire un énorme taf. Hein. Ouais, c'est gardé, je pense. Juste parce qu'on a Flétrissure. Peut-être qu'on peut garder Striom. On peut aller fetcher une île ici. Histoire d'arrêter de piocher des actifs. Arrêter de piocher des landes pour trouver des actifs. On va lui faire croire à dispute. On pioche que des landes quoi. Si on n'a rien à faire, on recyclera le triome. Ok, Yoko-sama, bah écoute, bonne rentrée à toi du coup. Hein. Ok, il a passé un typhon déjà, c'est une bonne chose. Ah, plus on attend, plus il a la main pleine, plus distorsion ça va faire gagner. Waouh, ok, la victoire a été. Facile, victoire facile, voilà. On va pas se mentir que là. Ça fait plaisir. Hein. Les victoires comme ça qui sont données, nous on prend. Voilà, je me nourris quoi. Comment on la récupère? Je te la mettrai sur le salon decklist stream sur le Discord que tu peux trouver juste en dessous de la vidéo que tu es en train de regarder là. Il y a un petit panel Discord, tu cliques dessus et tout, et dans salon decklist stream, c'est les decklists qu'on joue pendant notre stream. Salut Nimzek. Solide. Le problème c'est qu'on peut pas faire effacement et euro. Je crois que c'est quand même bien. On verra selon ce qu'il joue, je ferai pas effacement. Et je préconiserai plutôt Euro. Salut Elvie. Ah oui, mais non, c'est moi qui commence, donc je peux pas savoir ce qu'il joue. Okay. On va voir, on va se laisser le choix dans la date.
Jay Sativa. Ne pas fumer que des clopes, lui. Ok. Ah, il a un petit chat avec des ailes et tout, c'est mignon. Alors, qu'est-ce qui se passe, Mr. Jay? Grosse vanne. Ouais, j'avoue, c'était pas très puissant comme vanne, mais. Ouais, déjà était déjà pris, ouais, fort probable. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de Euro le tour d'après, hein? Ouais, je pense qu'on va essayer de Euro le tour d'après. Il doit jouer Esper, je pense. Pas de problème. Là, on va chercher du vert. Ah, événement d'extinction, du coup, c'est nul à Yesh. Par contre, Tamio, c'est bien contre lui. Hein. Ok. Ouais, c'est cool, Nimzek. C'est une bonne carte Cultivate, on en parle ce soir sur la vidéo de 17h, où on parle des reveals et des spoils, donc regardez la vidéo de 17h, on fait une deuxième fournée de reveals et du coup il y a Cultivate dedans et c'est cool, on donne notre avis, on débat, on argumente, c'est cool. Oh, il joue Sultai aussi, incroyable. Putain, mais là du coup il va prendre Tamio sec là. Hein. Ah ouais, directos. Pas de... Il n'y a pas de chichi quoi. Qu'est-ce qu'on veut récup? On veut trouver quoi? Il est loin de victime de la guerre, du coup on pourrait trouver Nissa ici. Ouais. Le talent. Le talento. En plus il n'avait pas de mana, hein. Il a fait Uro sans trouver son land. Des os, ça t'y va. Je crois que on va être à fumette. I have learned much from my ancestors. Solide. Alors, contre le mister, contre le monsieur. Eh ben on n'a pas grand chose contre le monsieur, étonnamment. Probablement des distos. Pas les Nissa parce que ça prend victime. On voudrait plus de Narset, mais on n'en a pas plus. Pas ça. Ouais, Shem concede, j'avoue. Typhon, c'est ok hein, dans le plan de jeu. Dans le plan de jeu flash, disto, victime. Je sais pas. Bonne question. Peut-être pas. Peut-être que comme ça, on est bien. Ok. Non, dès qu'elle sort, Wumpaf, c'est directement dispo en historique M21. Ouais, après ça arrive d'oublier le passif des cartes. Hein. Moi, le premier, des fois, je tente de piocher sous Narset et. Bah voilà, tu prends l'enfer. Hein. Ouais, on va garder parce qu'on a Narset et que c'est vénère, Narset. Ça arrivera après Spiral et Uro, mais c'est pas dit qu'il a un départ Spiral-Uro. Donc on va voir. Ma main s'améliore instant avec ce Uro. Ah, faut pas roper sans te faire, c'est pas bien. Franchement, ne roper pas. Genre, ne roper pas, jamais. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Je suis pas donneur de leçons, hein, mais moi, si je peux vous demander un truc, c'est de pas le faire. Si la spirale, je le dispute. Voilà.
Instant. Ou Euro. Ropé, c'est-à-dire attendre que la que ton sablier descende, en fait ne pas jouer quoi, faire patienter ton adversaire. C'est ça ropé. Et c'est pas sympa. C'est méchant d'être pas gentil, j'avoue, c'est un peu donneur de leçons et je suis pas un donneur de leçons, mais bon, si vous pouvez éviter de faire ça, c'est mieux quoi. Je comprends, des fois on a envie hein. Je le conçois. Hein. Je hais les jeux défausses. Je peux concevoir, mais pas fifou, quoi. Là, je passe pas ma dispute maintenant parce qu'on peut prendre Tamio. Par contre, là, si... Ah ouais, si l'an dégagé, qu'on prend Nissa, ouais, ça aurait été un peu dramatique, on a eu un peu de chance. Salut Thierry. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool et je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte que c'est pas cool, tu vois. Donc au moins je le verbalise ici. Ouais, si tu fais Alt F4, ça te fait rope automatiquement, donc aussi il faut éviter de faire Alt F4. Il a dépensé une dispute pour ça. C'est fine, je crois. Et là, s'il nous fait une Nissa, on a victime de la guerre le tour d'après. C'est ok. Ok, là, le plan de jeu flash qui s'enclenche. Franchement, je vais pas m'emmerder quoi. Je lui rase la main et après on voit. Je peux encore prendre 3 points d'un petit requin. Ah, par contre, je pensais pas prendre 8 points d'un petit requin. Je vais prendre un peu cher du coup. Je suis à 5, je vais être à 2 du coup une fois que j'aurai fait victime. Et en plus, il pioche bien. Donne des bonnes cibles, c'est cool. Par contre, il re-remplit son cimetière alors que je l'avais exilé, c'est un peu chiant. Et là, il va faire un 2, 3, 4. S'il pioche pas de land, il se prend dispute, c'est ok. Et moi, je suis à 2 par contre. C'est chaud, hein. Tac, 5. J'aurais même pas assez pour Euro, hein, si je trouve pas une petite carte à jouer. Nice. Hop là, je vais chercher une île. Et on est Pepoudi. Oh, le talent du joueur français. Regardez, je recycle. 6 cartes cimetière. Pof, Euro. Mais incroyable. Ah, mais ça, c'est incroyable. Ça, c'est un top deck, mes amis. Laissez-moi vous dire que celui-là, il est de qualité. Et puis derrière, on a la petite victime qui va venir... Hop là, comme moi, la dégrader sur le côté, on va lui faire. Oh, quel plaisir. Ah non, ça c'est du plaisir. Ça c'est de l'or en barre, voilà ce qui vient de se passer. Ah bah quelle maîtrise du dessus de mon pack. La maîtrise de la super carte du dessus. Elle est comme ça.
Ah, c'est un move qu'on apprend dans les écoles de Magic, ouais. Top decké, c'est vraiment le move que t'apprends à l'école. Hein. Oh, on est en train de lui faire un petit dégradé agressif, là, il comprend rien du tout. Il peut rejouer Uro. Du coup, on va lui passer l'envie de jouer Uro, je pense. Ah, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4. S'il fait Uro, il pioche pas. Bah, du coup, on va faire Tamio, nous. Hein. Tamio, et on accepte de perdre sur Nissa. Mais s'il sait que c'est un duel de victimes de la guerre, il joue pas ses Nissa, je pense. Krasis, ça nous mettrait Yimbe. Putain de merde! Oh non! Oh non! Oh, il a été à la même école de Magic que moi, lui. Oh non, je suis désolé, je suis tout chafouin là. Ah non, 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 non. C'est non. Non, c'est non. Juste non. Ah, je suis tellement déçu, quoi. J'ai une pointe au cœur là. Ah non! Ah non, 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 non. Le col fatal. Ah, c'était la même promo, ouais. Ouah, mais Nissa, c'est pas bien, quoi, dans le match-up. Ah, c'est sûr que si elle touche la table et qu'elle reste, t'es bien, hein, mais. Mais ça prend tellement de comptes, ça prend tellement de victimes, c'est. Non mais les gars, pas de. Vous fâchez pas dans le chat, on s'en fout. On sait juste que. Je pense que Sandfer est au courant que Rope c'est pas bien. Et on n'a pas besoin de lui faire la morale sur ça. Évidemment, Rope c'est pas bien. Et basta, quoi. Ça arrive que tu le fasses et tu sais que ce que t'as fait, c'est pas très bien. Ça a tué personne, c'est pas dramatique. Je voulais pas lancer un débat sur la Rope, pas la Rope ou quoi. On s'en fout, voilà. On s'en fout. C'est comme si je vous disais tuer pas des gens, c'est pas bien. Tout le monde le sait, voilà. Y a pas de soucis sans te faire, te rends pas fou, on te juge pas, bien loin de là, quoi. On a tous nos moments de faiblesse, hein. On a tous eu des adversaires insupportables. On a tous eu des moments où Magic nous a rendu dingue, quoi. Moi je rope pas, mais des fois je me mords la main, tu vois, et c'est pas bien de se mordre, genre ça n'a aucun sens, tu vois. Genre je suis tellement frustré que je me mords. Et bah c'est aussi nul que Rope quoi, même si ça impacte pas mon adversaire, c'est nul pour mon propre psyché quoi. Alors, bon, on va dire que sur le play, Nissa c'est quand même mieux. Nissa Rafale c'est cool. Vas-y, regardez. Je suis quand même déçu quoi. Je suis quand même déçu qu'il ait top decké Nissa juste dans ce spot là. Genre, le seul spot qui me tue et derrière on est trop yimbe. J'ai quand même le démon quoi. Et roper le roper, c'est bien. Ah bah, du coup, votre game elle est sans fin. L'homme qui a des pulsions cannibales quand on l'énerve. Ouais, c'est un peu ça. Mais c'est nul hein. Genre, faites pas ça hein. J'ai pas envie qu'ils prennent l'ascendant en mana. Et en même temps, j'ai pas envie de devoir me battre avec Rafale. Ouais, je crois qu'il faut quand même enlever ça. Et donnez-moi des Landes Vertes, bordel! Alors, je crois que je suis encore loin de son talent, Creep Hunter. Alors,
Ah bah faut pas le faire, je croûte. Hein. Ouais, on fait tous des trucs genre. Magic, on a tous un moment quand on joue beaucoup, on arrive à une espèce de colère intérieure, ce qu'on appelle la frustration quand t'as du mal à monter en ladder par exemple. Et voilà, ça nous impacte tous, qu'on soit plus ou moins calme. Il y a des gens qui sont plus ou moins impactés par ça, mais on a tous des réactions qui sont pas tout à fait logiques. Et notamment parce que c'est un jeu vidéo qu'on n'aurait pas IRL, aussi parce qu'on fait beaucoup moins de games. C'est le jeu. This is the law, comme dirait le shérif Pepper. Alors, si tu te fais un café, ça va, Treva Twitch. Si c'est de temps en temps, bon, voilà. Quand c'est une rope accidentelle, quoi. IRL, tu commences à te bouffer la main devant l'oppo. Il va juste appeler un judge et dire ouais, le mec est fou, arrêtez-le. Non, j'avoue, c'est pas bien. Est-ce que j'ai envie de faire consommer la dispute? Je crois pas. Hein. Ouais, moi je m'énerve jamais IRL, je suis vraiment un joueur agréable à la table. Très fermé, j'ai pas envie de discuter et rigoler parce que moi, vous me connaissez, je suis très facilement distrait. Donc si je commence à discuter ou quoi, je vais me distraire et c'est comme si je parlais au chat, je vais très mal jouer. Je veux vraiment être attentif à la table, mais par contre, je suis vraiment très gentil quoi. Genre jamais je vais m'énerver ou être frustré ou mettre mon adversaire dans une situation de malaise en fait. Ouais, mais même si je suis frustré, je vais le cacher en fait, Nel 30. Je vais pas mettre mon oppo en porte-à-faux de ça, quoi. Ouais, c'est vrai, pour l'anecdote, c'est pour ceux qui le savent pas. Quand on était au GP Lyon, j'ai fait 2 drafts d'affilée et 2 fois j'ai first pick Oko. C'était bien, c'était rentable. J'étais content. Voilà. Alors, bah ouais, c'est contré, tu l'as eu. Ah oui, il devait avoir d'autres problèmes, Thierry, c'est pas possible. Ouais, par contre, moi, je mange les cartes. Moi, quand j'ouvre une carte qui m'énerve, genre quand j'ai ouvert 6 fois la même rare et qu'elle me débecte, je la mange, je la croque comme ça, cric, cric, devient dingue. Avec PL, à l'époque, on en avait marre d'ouvrir des bergers du fléau. C'était avant l'Eldrazi Winter et que ça soit joué en moderne. On en avait plein le cul d'ouvrir des bergers du fléau. Du coup, on les prenait, on les lançait fort contre les murs. Et c'était celui qui abîmera le plus la carte. Ce qu'il faut absolument pas faire, c'est pas cool. Mais voilà, notre frustration se révélait comme ça. Ouais, j'ai besoin de mordre, moi j'aime bien. Je suis très tactylo-dentaire. Je sais pas si ça existe. Ça vient de l'époque où j'étais en internat et qu'on jouait à PES6 sur la PSP. Et vraiment, quand tu perdais, bah déjà, tu te faisais charrier par toute la chambre de l'internat. Et bah, en gros, si t'étais nul à PES, ça avait un impact social, tu vois, sur ton bail dans l'internat, tu vois. Et donc, il fallait être bon à PES. Et bah, forcément, quand tu perdais, c'est là où j'ai commencé à me mordre, quoi. C'est un mauvais tic que j'ai, quoi. C'est nul, hein. C'est vraiment très, très nul. Faites pas ça. Ah, j'ai pas parlé de Gadwick, moi, Arias. Hein. Alors. Si on fait ça, ça se prend un contre, on peut rien y faire. Par contre, on peut faire une grosse Krasis ici. 6, 7, 8. Et accepter de prendre dispute dessus, ouais, je crois. Ah non, ok, ça fera une Krasis à 5, c'est pas fou. Ouais, c'était pas au lycée, c'était plus dans les chambres d'internat à Furax. Non, j'exagère forcément, il n'y avait pas de question d'échange social, mais disons que si t'étais mauvais à PES, tes collègues, ils te le faisaient savoir assez régulièrement, quoi. Ce qui n'était pas mon cas, mais ça m'arrivait de perdre, donc... C'était PES6 avec Adriano qui frappait de 35 mètres et t'avais aucun intérêt à pas jouer Inter de Milan, donc
c'était vraiment Inter de Milan contre Inter de Milan. T'avais quelques mecs qui prenaient Chelsea parce qu'il y avait Shevchenko et Balak qui faisaient aussi des tirs de 40 mètres. Et après, t'avais 2-3 mecs qui jouaient Manchester United pour déborder sur les ailes avec Cristiano Ronaldo. Mais en vrai, le méta était vraiment solve, quoi. Pour tous ceux qui ont connu PES6, vous savez exactement de quoi je parle. Il y avait Luis Figo qui avait la charrette, il était nul dans le jeu. Ça parle de PES6. Tellement ancien comme jeu. 3, 4, 5. Ici, on prend pas dispute. Hein. Non. Ouais, tu pouvais frapper avec Lampard aussi, c'est vrai. Mais il en a combien, lui? Oh! Oh, le vilain! Bah ouais, je la garde, ma foi. Quelle question. Dans PES6, ouais, ils avaient les vrais noms. C'était les joueurs... comment on appelait ça? Les joueurs légendes qui n'avaient pas les vrais noms, Thierry. Adriano, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose, Adriano. C'était les joueurs légendes qui avaient des faux noms. Ah, je jouais déjà à Magic à l'époque, Gonorix. C'était quand j'étais en première, en terminale PES. Ouais, Sidoun. C'était fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je prends dispute sur ma... Je prends dispute sur ma victime. Ouais, du coup, on va juste rafale ici. Ça me va. Du coup, je prends plus dispute. Enfin bref, c'était important d'être bon à PES à l'internat. Et du coup, j'ai mordu ma main plus d'une fois. J'en suis pas fier. Normalement, on peut victime là. Hein, si je compte bien. Par pitié, faites que je compte bien. Tac, là, il y a. Je détape un truc. Ouais. Voilà. 1, 2, 3, 4. Faut que je détape ça. 5, 6. Ouais. Faut que t'arrêtes d'avoir des contres en face par contre, poteau. Genre vraiment, c'est important. C'est important que tu n'aies pas que des contres dans ton deck. Genre please. Ah mais non, mais attends, il a pas de Planeswalker lui, qu'est-ce que je fais moi? Terrain créature juste, ouais. Valider, tac, tac. Oh non! Bah du coup j'ai perdu ma Nissa, je suis content. On va faire juste une énorme Krasis hein, s'il me la défausse pas avec un effacement dépensé, histoire de tout avoir. Soit savoir conduire un tracteur, c'est vrai. T'étais en lycée agricole? Ah bah voilà, c'est pour ça, Elskan. On rappelle qu'on en est là, là, à cause de Jessativa, parce qu'il a top decké Nissa outrageusement tout à l'heure. On serait pas là sinon. Je préfère vous en souvenir quand même.
4, 5, 7, 8. Je peux faire 9, 10. S'il a un shark typhon, il trade. Ah, ça m'emmerde, j'ai pas envie de prendre le risque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vas-y, arrête d'avoir des contres. Bah, ça t'y va, là, je vais bilveuser, là. Je vais commencer à te mordre. Ça va être compliqué. Après, moi, mon défaut, entre guillemets, ma faiblesse, c'était de me mordre. Il est bon, lui. Hein. Mais j'avais des potes, ils jetaient leur PSP à travers l'internat, à travers la chambre. Et en vrai, je préférais me mordre que devoir acheter des PSP, quoi. Et son prochain Uro, je le rafale. Et du coup, maintenant, on repart en bataille de top deck, quoi. Pas à travers la figure, il est jeté à travers la chambre. Non, mais par contre, c'est pas possible. J'affronte un Sultai Drogo, c'est incroyable. C'est quand même une blague. Dans un monde où il y a Teferi en bande, quoi. Rafale, negate. Dispute. Ah, c'est scandaleux en fait. Ouais, je peux rafale victime, mais non, j'ai envie de piocher autre chose là. J'ai pas envie de repiocher ma victime. Ouais, c'est la game 3 en plus. Bah non, ils sont pas blindax, ils sont cons, Hideyoshi surtout. C'est la frustration qui s'exprime, quoi. Elle s'exprime pas de la même manière chez tout le monde. C'était la fiesta à ton internat. Ah, complet, Senju. Ouais, il joue Uro Tempo, quoi. C'est un concept, hein. Ouais, peut-être qu'il joue réclamation dans son deck, hein. C'est vrai. Hein. Ah bah vous voilà, vous. Ça, est-ce que ça a l'air utile, là? Regarde, tiens. Contre tous les lands. Ah, j'ai le démon, quoi. Je suis très déçu de cette game. Très déçu. Il aurait pas dû top decker Sanissa. Et on aurait peut-être dû mieux jouer la troisième game. Ça aurait été bien. Je sais pas ce qu'on aurait pu faire de mieux, si ce n'est juste avoir un side qui était plus adapté. S'il avait vraiment, après side, il avait trop de contre pour nous, quoi. Hop. Par contre, ouais, j'ai vu un truc qui me chiffonne, c'est qu'on n'a pas les 3 disputes dans le side, mais seulement 2. Et je crois qu'il en faut 3. Ouais, je crois que je jouerais comme ça. J'aime beaucoup la liste comme ça. C'est probablement ce que je jouerais si j'avais un tournoi à jouer. Et c'est cool en fait. Ouais. Je jouerai comme ça, ouais. Est-ce que quelqu'un sait quand c'est le MCQW, le qualifier sur Arena? Ça devrait pas tarder là, si c'est pas ce week-end là, celui d'après, je crois.
Ah, j'ai pas de Castle Ventress dans la liste, pour le coup. Si quelqu'un a la date du Qualifier Weekend, ce qu'il va falloir peut-être que je prépare ce truc quand même. C'est le 20? Ouais, c'est pas ce week-end, celui d'après. Ok, merci Arias. Bah écoutez, si je trouve une liste satisfaisante de Sultai, j'aurai ça. Sinon, j'aurai probablement le tier 1 du format. Et pour savoir quel est le tier 1 du format, bah rendez-vous lundi après le player tour. Hein. Franchement, même si on se doute que ça a l'air d'être réclamation, on sait pas. Il y a le UI de contrôle de Nassif avec d'ailleurs Yorion Mendek. Il y a peut-être des mecs qui vont ramener des decks spicy, on sait pas trop. Donc on verra bien. Mon deck de ladder, c'est ça pour le standard Sultai. Ou alors, surtout ça. Ça, c'est mon deck de ladder fort, ça. Ouais, ça, vraiment, c'est un vrai bon deck. C'est un vrai bon deck qui peut à peu près tout battre. Ça, c'est mon pack de ladder solide, quoi. Mon solide pack de ladder. Je me régale à jouer ça. Trop, trop bien. Esper, nouveau tier 1. Ouais, ça laisse moi un peu en douter, quand même, à Kuminoa. Hein. Je suis pas persuadé de ça. La date de sortie de la prochaine extension, je sais que c'est 3 juillet, je crois, en version papier, mais sur Arena, je sais pas quand c'est. Ça doit être un truc comme 25-26 juin, je pense. Ouais, il y a Junsak aussi, c'est vrai, qui est en haut du format. Bref, en tout cas, si vous voulez monter en historique, ça, c'est pas mal. Hein. Je prends beaucoup de plaisir avec cette decklist-là. Voilà. Bon, je vais vous laisser là, moi. Je vais aller manger. Merci à tous, du coup, d'avoir suivi ce stream. C'était sympa. Les petits deck viewers, c'était cool. Merci à Petit Pois, à Sender Baron et à Le Petit Acacia d'avoir participé. Je vous laisse là. On se retrouve du coup bah, peut-être dimanche matin, moi, pour une matinale. Je ne sais pas si PL stream dans le week-end, mais si jamais vous êtes follow à la chaîne, vous serez tenu au courant. Merci Sandzero pour le sub, merci beaucoup. Vous serez tenu au courant bah, par la notif. Donc voilà, si vous n'êtes pas follow à la chaîne, que vous avez passé un bon moment sur stream, n'hésitez pas à lâcher un follow. Merci d'avance du coup. Et puis sinon, on se retrouve lundi soir pour le recevez-vous. Hein. Je vous ai pas annoncé qui est le participant, mais c'est Quentin Lamprouge de Magic Seshik qui représentera donc du coup Magic Seshik pour affronter Elliot. Je connais pas encore le format. Je sais pas si les games ont été joués. Mais voilà, on accueillera Magic Seshik sur la chaîne pour un petit recevez-vous de qualité lundi soir. Ça va régaler. Merci à tous. Je vous abandonne maintenant. On va aller saluer Raph qui est en train de streamer. Et puis voilà, surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Et surtout. Un gros merde à ceux qui vont participer au Player Tour de ce week-end. Donc merde à toi Thierry, merde à Swift, merde à J-Rock, qui d'autres participent, à tous les Français qui sont qualifiés en fait. Ramenez la coupe à la maison et faites un bon tournoi. Allez, surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao, ciao, bye bye. Ouais, je sais Arias, j'ai pas cité Torino parce qu'il m'a dit qu'il s'était inscrit à celui du 20 et pas à celui du 12. Donc je le saluerai quand ça sera son tournoi du coup. Route.